20 000 spectateurs sont attendus cet après-midi au stade du PEPS de l'Université Laval pour assister à l'un des matchs les plus attendus de la saison. En direct de Québec, le Réseau des sports vous présente le premier de deux affrontements cette saison entre les Carabins et le Rouge et Or. Il y a beaucoup d'ambiance ici à Québec pour ce match entre deux grands rivaux. L'an dernier, les partisans du Rouge et Or ont été bien gâtés puisque le Rouge et Or a maintenu une fiche parfaite en saison régulière. 8 victoires en autant de matchs et bien sûr, les hommes de Glenn Constantin ont remporté tous leurs matchs disputés ici à Québec. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au football universitaire Budweiser à RDS. Pierre, le Rouge et Or est certes favori, oui, mais il y a quand même quelques points d'interrogation avant le début de la saison. Bien là, je vais répondre à ta question, David, mais si tu me permets un petit éditorial. Oui. On peut-tu se lancer des fleurs au Québec? Pourquoi? Deux équipes universitaires classées dans le top 3. Rouge et Or, numéro 1. Montréal, numéro 3. Hey, on a-tu fait un bout de chemin dans le football universitaire au Québec? Ça, je pense qu'il faut dire bravo à tous les joueurs, entraîneurs, tous ceux qui sont appliqués dans les programmes. Et là, je tenais à le mentionner parce que je pense que c'est important. Oui, c'est pour vrai. Revenir à ta question, oui, bien, le Rouge et Or, écoute, ça fait partie du cycle universitaire. Un programme qui est mature, donc à chaque année, il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui arrivent. Oui, chez le Rouge et Or, vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté. Quand je regarde la liste sans passer à travers tous les noms, moi, ce que je vois, il y a 7 joueurs défensifs qui ont quitté, 3 joueurs offensifs, 2 de la ligne à l'attaque. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu moins d'expérience dans la tertiaire, un petit peu moins d'expérience dans la ligne à l'attaque. Mais écoute, le Rouge et Or, là, ils ont quand même gagné lorsque Mathieu Bertrand a quitté. Ils ont quand même gagné lorsque des gars comme Mathieu Pro a quitté. Donc, c'est comme ça, c'est le football universitaire. C'est un cycle universitaire à tous les 4-5 ans. Il y a des joueurs qui partent et il y en a d'autres qui arrivent. Pierre, chez les Carabins, on en est maintenant à une 5e saison d'existence. As-tu l'impression que c'est le temps ou jamais pour cette équipe de franchir peut-être l'autre étape? Peut-être pas le temps ou jamais, sauf que c'est une belle occasion parce qu'on a 22 joueurs de 4e et de 5e année. Donc, on a beaucoup de maturité, on a beaucoup de profondeur. Donc, c'est sûr qu'ils ont les éléments, ils ont le talent pour aller loin, pour réussir. Mais avec l'arrivée de Marc Santerre, c'est un gars qui est très fort sur le recrutement. Donc, là aussi, on va voir que le cycle du recrutement, le cycle universitaire va prendre son chemin avec les Carabins. Mais c'est sûr que pour des pionniers comme Adair Aimable, Woodley Jean, ces gars-là, c'est leur dernière année probablement avec les Carabins, donc ils vont vouloir finir sur une bonne note, c'est bien certain. Ces gars-là étaient là dès la première année. Tu sais, la fameuse année où ils n'ont rien gagné, ils étaient là, donc ils veulent récolter les fruits de leurs efforts, c'est certain. Merci beaucoup, Pierre. Allons tout de suite sur les lignes de côté retrouver José Turmel. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce match d'ouverture ici à l'Université Laval. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Glenn Constantin. Glenn, ça va être une équipe différente qu'on va voir cette année parce qu'il y en a quand même une bonne dizaine de parties. Oui, on a 10 postes de partant sur 24 qui vont des nouveaux joueurs. Donc, beaucoup de vétérans qui ont l'opportunité de voir du terrain. Il y a une vraie recrue qui va commencer, qui s'appelle Olivier Turcotte-Létourneau, qui est au demi de coin, qui fait une très, très belle job. Quels seront les joueurs clés sur lesquels vous allez pouvoir compter? Benoît Groulx, certainement, il a eu quand même une très belle saison l'année passée. On s'attend que les bonnes choses. Ça a très bien été contre Saskatchewan. Le groupe de receveurs en général, Pierre-Luc Yao aussi comme porteur, qui est un gros, gros morceau. Mais on est jeune un peu sur la ligne offensive, donc il faut que ça prenne un bon travail de la ligne offensive pour mettre ce monde en évidence. Et l'équipe à battre, c'est les Carabins. C'est un gros défi aujourd'hui? Certainement. C'est une équipe qui a 5 ans d'existence, qui sont à maturité. Ils ont un bon groupe de vétérans, de beaucoup de joueurs de 4e, 5e année. Ordinairement, tu gagnes avec ça. Donc, c'est certain que à nos yeux, c'est l'équipe à battre. Il faut les battre au moins 2 à 3 fois cette année. Espérons qu'on va les battre quand ça compte au mois de novembre aussi. Merci, bon match. Ça fait plaisir. Merci. Cette émission vous est présentée par Budweiser, fier partenaire du football universitaire. Par General Motors du Canada. Par Desjardins, conjuguer, avoir et être. Et par Edge. Il y a une grosse demande pour le forfait Trio ou Déodron. Avec illico télé numérique, Internet, téléphonie par câble, je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Je vais continuer à y penser. C'est plate. T'as pas pu écouter le match hier? C'est pas grave. J'ai ri. T'as manqué le match, mais t'as ri. Ben oui, j'ai ri. Écoute, le sport, c'est sérieux. Et ils sont plusieurs à avoir ri. Car si vous avez ri, c'est que vous avez RIS Infosport.
pour savoir tout ce qui se passe dans le monde du sport. Abonnez-vous à la chaîne d'information sportive en continu, RIS Infosport. Vous aurez accès à toute l'actualité sportive en temps réel, aux statistiques, aux résultats des matchs en cours et aux analyses de nos experts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour vous abonner, contactez directement votre distributeur ou visitez infosport.ca. Une fois abonné à RIS, vous serez toujours premier à le savoir et vous pourrez dire que vous avez ri. Je passe pas ma vie sur de la crème à barbe, sauf que la nouvelle crème à raser Edge Soin Actif est différente. C'est une crème pas gel avec des vitamines et des antioxydants qui améliorent l'apparence et la douceur de ma peau. Assez que j'ai parfois envie de me raser toute la tête. Les plans de match vous sont présentés par Desjardins, conjuguer, avoir et être. Alors, Pierre, quels sont les plans de match? Alors, du côté des Carabins à l'attaque, il faut varier les points d'attaque. Être point prévisible, utiliser tout le terrain, lancer, courir. On sait que l'an dernier, les Carabins utilisaient beaucoup trop le jeu au sol, pas assez de passe. Faut mélanger tout ça. Du côté de la défensive, écoutez, oui, on a Benoît Groulx qui est excellent comme carrière du côté du Rouge et Or, mais il faut quand même contenir l'attaque au sol du Rouge et Or parce que l'an dernier, en trois matchs, le Rouge et Or a 600 verges au sol. Yao, deux matchs de plus de 150 verges. Du côté du Rouge et Or, on a entendu le commentaire de Glenn Constantin. La ligne à l'attaque doit relever le défi. On a une jeune ligne qui affronte un front défensif solide et expérimenté. Tout va débuter là. Et du côté défensif, limiter les gains au premier essai. Pourquoi? Parce qu'on a une jeune défensive. Donc, il faut avoir une situation de deuxième essai la plus claire possible pour aider une jeune unité défensive. Merci, Pierre. Allons tout de suite retrouver José. Je suis maintenant en compagnie de Marc Santerre, l'entraîneur-chef des Carabins de Montréal. Monsieur Santerre, c'est un retour aux sources pour vous. Vous êtes originaire de Québec? Bien sûr, je m'entraînais ici sur la piste, là, puis sur le terrain quand j'étais à l'université pour Cégep. Alors, je connais bien le terrain ici. Et toute votre famille est ici aujourd'hui pour vous encourager parce que c'est votre premier match au niveau universitaire. Comment vous entrevoyez ce défi-là? Bien, ça va être un bon test pour nous. On va savoir après aujourd'hui où on en est dans notre préparation et dans notre équipe. On rencontre l'équipe numéro un au pays. Donc, si on gagne, ça va bien, évidemment. Puis si on perd, bien, on sait qu'est-ce qu'on a à faire pour s'ajuster. Peut être au niveau des premiers. Bon, on dit que les Carabins, c'est quand même une des bonnes, très bonnes équipes à battre cette année parce que l'équipe est à maturité. Oui, bon, on est une équipe qui est classée actuellement troisième au Canada. Donc, sans vouloir dire que c'est très significatif, les classements, on sait quand même qu'on est l'une des meilleures équipes, Laval aussi. Donc, ça va être un test pour les deux équipes. Ça va être intéressant. On sait que vous êtes bon ami avec M. Constantin, donc on ne verra pas ce qu'on a vu l'an passé au dernier match ici sur le terrain. Je ne penserais pas. Je ne sais pas si ça dépend de l'amitié ou si ça dépend plutôt du genre de défi que les deux équipes se préparent. Merci beaucoup, bon match. Merci beaucoup. Le voté d'ouverture vous est présenté par les croustilles Yum Yum, le sac du match. Yum Yum, c'est le fun! Le Rouge et Or a gagné le tirage au sort, mais a décliné, ce qui signifie que les Carabins recevront ce botté d'envoi. Le ciel est quelque peu couvert à Québec cet après-midi. On vous souhaite un excellent match sur nos ondes. Carl Farah-Lajoie qui saisit le botté d'envoi à sa ligne des buts et Farah-Lajoie qui se rend jusqu'à la ligne de 20. Le plaqué qui a été réussi par Alexandre Vendette sur un retour de 21 verges. Jonathan Jaudoin est de retour pour une quatrième saison à la barre de l'attaque des Carabins. L'an dernier, il a complété 82 passes pour des gains de 1190 verges. Il a lancé 9 passes de toucher et a été victime de 4 interceptions. Il est l'un des nombreux anciens joueurs des Spartiates du Vieux-Montréal. Plusieurs, bien sûr, retrouvent leur ancien entraîneur-chef et il y en a quelques-uns également dans le camp du Rouge et Or cet après-midi. Profite d'un excellent champ arrière avec Moroway. Excellent receveur, beaucoup de vitesse, un joueur électrisant, Yves Berriot. Donc, beaucoup de talent sur cette unité. Premier et 10 pour Montréal. Jaudoin tout de suite tente une longue passe et c'est capté par Yves, non, plutôt intercepté. Alors, la passe qui est interceptée par Olivier Turcotte-Létourneau. Alors, dès le départ, la recrue Turcotte-Létourneau qui réussit un gros jeu. Et quelle réaction! On attaque le jeune Turcotte-Létourneau dès le premier jeu. On nous met le meilleur receveur de passe, le plus rapide devant un joueur recrue. Ça, c'est pour vous exprimer la confiance que l'entraîneur Glenn Constantin a en son jeune joueur. Il est demi de point partant. Demi de point du côté court, c'est le demi de point le plus difficile, la position la plus difficile. On met ça à une recrue, donc ça, c'est pour vous dire qu'il est solide. Mais il a carrément volé le ballon à Yves Berriot. Berriot avait fait l'attraper. Et l'agressivité de Turcotte-Létourneau, son désir, son vouloir a fait en sorte que les Carabins sont victimes d'un revirement.
Alors, c'est un premier essai pour le Rouge et Or qui est maintenant en territoire des Carabins en raison d'une pénalité. Alors, premier et 10, Benoît Groulx est au poste de quart. Groulx cherche tout de suite un receveur et la passe a été captée par Pierre-Luc Yao. Mais je vois qu'il y a un mouchoir sur le terrain, alors pénalité. On va voir de quel côté ça va aller. Il y a eu un contact illégal, mais est-ce que c'est contre l'attaque ou contre les Carabins? On avait des traçants croisés. Voilà, donc obstruction contre les Carabins. Et il y avait deux receveurs du Rouge et Or. On voit M. Paloussi. Malheureusement, on n'a pas entendu, mais on voit le signal qui nous indique que c'est une pénalité pour avoir créé de l'obstruction. Et ça, le problème, quand il y a deux receveurs de passe dans la même zone, bien, ça amène plus de demi-défensifs dans la même zone. Et donc, voilà. C'est toujours très dangereux. Il y a une confusion à quelque part, mais le Rouge et Or s'en tire bien. Premier et 10 au 43. Groulx. Tout de suite, la passe complétée à Nicolas Bisaillon. Et Bisaillon qui est arrêté à la ligne de 32. Avec... Il a perdu le ballon! Oh, et c'est repris effectivement par les Carabins. Alors, revirement, deux dès le départ. Alors, a été fauché à la hauteur des genoux. Culbute vers l'avant et on indique qu'il a perdu le ballon avant qu'il entre en contact avec le sol. Ah oui, on lui fait perdre le ballon, là. C'est Gérald Jules qui, un peu comme Olivier Turcotte-Létourneau, vole le ballon au receveur de passe. Donc, de part et d'autre, les défensives qui créent des revirements. Déjà deux revirements et il n'y a même pas deux minutes d'écoulées. Premier et 10 au 31. La remise dans le champ arrière à Joseph Monrouet. Il court bien, Monrouet, se rend jusqu'au 45 avec un premier essai Montréal. Donc, Joseph Monrouet, la question, est-ce qu'il est en santé? En santé, est-ce qu'il est à 100%? N'a pas pratiqué au camp du printemps, a manqué un peu le début du camp d'entraînement. Donc, est-ce qu'il est en forme pour durer quatre quarts à un haut niveau? Ce sera la question, mais disons, pour première course de 2006, très bien fait. Tout à fait. Joueur très rapide, explosif, bon, il est petit, donc centre de gravité très bas, changement de direction facile. Gain de 14 verges pour Monrouet. Jonathan Jaudoin cherche un receveur. La passe interceptée à nouveau. Deuxième interception au départ de Jonathan Jaudoin. Cette fois, c'est Luis Morales qui réussit l'interception. Alors, autre revirement en faveur du Rouge et Or. Alors, il faut s'attendre. Bon, disons qu'on s'attend. On dira pas qu'on s'attendait à un début de match comme ça. Par contre, c'est normal, en début de saison, on l'a vu vendredi soir à Concordia entre les deux équipes, Sherbrooke et Concordia. En début de saison, les unités défensives ont souvent le dessus. C'est plus difficile d'atteindre un synchronisme à l'attaque. Ça prend plus de pratique, de répétition. Défensivement, c'est plus la réaction. Pendant qu'on voit Éric Maranda avec Joseph Monrouet. Bonne réaction d'Alexandre Zara là, qui s'est interposé, qui a calmé. Parce que ça, c'est... Quand tu as deux défensives dominantes, la bataille du positionnement sur le terrain devient encore plus importante. Les unités spéciales, la discipline, pas prendre de mauvaises pénalités, contrôler nos émotions. Alors, le Rouge et Or qui a demandé un temps d'arrêt. 12 minutes 52 secondes à faire au premier quart et déjà trois revirements sont survenus. Deux interceptions en faveur de Laval et un échappé qui a été recouvré par Montréal. Quintier qui envoie ses... Directive à Benoît Groulx. Benoît Groulx hein, qui a perdu 25 livres pendant l'entre-saison. Plus en forme que jamais. Effectivement. Joueur intelligent qui peut... Tu sais, qui passe à un autre niveau. Là. C'est la première fois depuis que Mathieu Bertrand a quitté qu'on a de la stabilité au poste de quart chez le Rouge et Or. Et ça, je veux rien enlever aux autres qui ont passé avant. Là. La remise dans le champ arrière à Pierre-Luc Yao qui déborde du côté droit et Yao a besoin d'un bloc. Il est arrêté à la ligne de 40 et encore une fois, c'est la recrue Gérald Jules qui réussit le jeu. On a eu droit à un excellent bloc du receveur Guillaume Blais-Normand, numéro 81, qui a tenu son bloc pendant toute la course. Lui, il était receveur espacé du côté droit. Et je pense qu'il a été surpris. Le jeu ne semblait pas vouloir aller vers l'extérieur, mais la rapidité, la vision d'Yao l'a amené vers l'extérieur. Et pendant ce temps-là, bien, le receveur, lui, une chance qu'il n'a pas pris ça à la légère en se disant « La course, ça ne vient pas de mon côté. » Il a travaillé pendant tout le jeu. Gain de Severge pour Yao. C'est donc deuxième et trois, Laval. Groulx la passe au receveur qui est fin seul et s'est échappé. Le ballon qui a touché à Michel-Pierre Pontbriand. Pontbriand a bien tenté de capter, mais le ballon était un peu haut, un peu hors de sa portée. Michel-Pierre Pontbriand, ancien demi-inséré au collégial, arrive avec le rougeur, on le transforme qu'on s'en arrière, mais
Les Carabins devront être alertes parce qu'on le voit ici, on peut l'utiliser comme receveur. Il est excellent comme receveur, des mains sûres, comprend le système, peut s'aligner partout, à n'importe quelle position de receveur. Donc, un gars qui sera à surveiller. Alors, Mathieu Parent qui est à son poste pour effectuer ce premier botté de dégagement de la journée. À l'autre bout, Jean-Philippe Provencher est là pour saisir ce botté. La Carabin. Remise est bonne. On a avec Carabin qui... Oh, on voulait mettre le ballon sur les lignes de côté, mais pas fonctionné aussi bien. Les Carabins ne prennent pas de chance, gardent l'unité défensive sur le terrain parce qu'en territoire des Carabins, on s'attendait peut-être un jeu truqué. Une pause, on vous revient tout de suite après cette pause. Alors, pas de surprise, ils sont plusieurs dans les gradins aujourd'hui afin d'assister à ce match de leurs favoris. Ce sera certainement l'une des très bonnes foules au cours des dernières années. On dit qu'environ 20 000 personnes prennent place dans les gradins. Premier essai et 10 pour Montréal. La remise à Joseph Morouet qui saute. Et Morouet qui gagne 4 verges sur cette course. Je regardais le déploiement défensif du Rouge et Or. On avait une formation, deux porteurs de ballon, trois receveurs du côté large, un receveur du côté court, Berriot. Et je pense que si les Carabins voient qu'on laisse seulement un demi-défensif sur Berriot, on va lancer à Berriot. Mais on a vu qu'il y avait deux joueurs contre Berriot. Donc, on dit aux Carabins, on va surveiller Berriot. Par contre, ça fait un joueur de moins qui est dans le front. Donc, Carabins décide de courir, se dit qu'on a un surnombre pour courir. Nos receveurs sont mieux surveillés. Donc, on essaie d'attaquer la faiblesse là où elle est. Deuxième et six. Jodoin accepte la remise. Regarde vers son receveur Yves Berriot. Berriot est rapide et sort en touche. Alors, c'est un premier essai Montréal. On a vu l'accélération tracée vers la zone extérieure. La protection est bonne pour Jodoin. Regarde sa cible, bonne mécanique. La passe est bonne puisqu'elle permet à Berriot de continuer sa course. Donc, n'a pas eu à ralentir. Simplement s'installe dans l'entre-zone, s'installe dans la zone qui n'est pas couverte. Le demi-coin dans la zone profonde, donc le côté court, le long des lignes de côté, n'est pas surveillé. C'était un gain de 14 verges pour Berriot. Cette fois, Joseph Morouet porte le ballon et le contact a été solide à la toute fin. Morouet qui gagne 7 verges sur le dernier jeu. L'an dernier, rappelons que Morouet a connu toute une saison avec une moyenne de 130 verges au sol par rencontre. Il a complété le calendrier régulier avec des gains de 1046 verges, ce qui constitue un record. Il a battu l'ancienne marque de l'Association québécoise, un record qui datait de 1986. Marc Santerre, justement, qui faisait des éloges. Il disait, j'ai hâte de voir Joseph Morouet. Je l'ai pas vu au camp de printemps, je l'ai pas beaucoup vu au camp. J'ai hâte de le voir jouer. Deuxième et quatre. Encore une fois, on donne le ballon à Joseph Morouet. Morouet est limité à un gain de 2 verges environ. On avait besoin de 4 verges, je vous rappelle. Donc, jeu d'attirer du côté des Carabins. Et on demande le mesurage. On voit bon travail de Frédéric Pépin qui est en mesure de lire, contrôler son bloqueur tout en lisant la stratégie. Donc, se débarrasse de l'énorme numéro 57, Jean-François Morin-Roberge, et vient faire un plaqué. Alors, les Carabins auront besoin d'une verge sur ce troisième essai. Voilà donc pourquoi on amène un peu de muscle sur la ligne avec Jean-Sébastien Bernard, de même que Roberto Forte, qui se joignent aux cinq membres de la ligne offensive partant. Le Rouge et Or dit, vous allez vous grossir, nous aussi on va se grossir. On a amené du bœuf sur la ligne défensive pour geler la formation. La remise à Joseph Moreau, mais... Les hommes en rouge ont été très rapides là-dessus. Ont-ils été en mesure de freiner Joseph Morouet? J'ai l'impression parce que, en tout cas, si jamais Morouet a réussi à aller chercher le premier jeu, ce sera avec un effort herculéen. Parce qu'il a été frappé dans le champ arrière. Donc ça, c'est la pire chose que vous ne pouvez pas avoir. Et quel travail! Jean-Philippe Gilbert, numéro 94, qui n'a pas fait le plaqué, mais c'est lui qui a complètement détruit la charge de Jonathan Lapointe, le centre arrière, et qui a créé un amas de joueurs. Donc, il n'y avait aucune place pour Morouet. Alors, l'attaque des Carabins ne peut se poursuivre. Voilà donc pourquoi Benoît Groulx est de retour sur le terrain avec les membres de l'unité offensive lavalloise. Premier et 10 au 45 en territoire de Montréal. Pierre-Luc Yao cherche l'ouverture, mais elle n'est pas là tout de suite. Du côté des Carabins, on a très bien réagi avec notamment Mathieu Brossard en tête. Benoît Groulx, qui a l'option de conserver le ballon, décide de le laisser à son porteur, mais lecture
Je pense qu'il va s'en vouloir parce que lorsqu'il a vu le 95 s'amener à l'intérieur, il doit conserver le ballon. Il a l'option de le retirer, de l'enlever au porteur de ballon et par la suite de courir vers l'extérieur. Donc, c'est sûr qu'il essaiera de faire une lecture plus rapide la prochaine fois. Aucun gain pour Yao. Deuxième et 10. Groux court un peu à sa droite, cherche un receveur. La passe est bien captée par Matthew Leblanc qui a été frappé solidement. Leblanc qui est arrêté à la ligne de 29. C'est donc premier essai rouge et or. Alors Matthew Leblanc qui tracé en boucle dans l'entre-zone. Mais regardez bien, bonne stratégie. On a une jeune ligne à l'attaque, on a un front défensif dominant. On va bouger la zone de protection. Benoît Groulx est capable de lancer en mouvement. On l'a mentionné, il est en meilleure forme, il a perdu du poids. Oui. Il a une bonne mécanique de lancer, donc il peut revenir à la ligne d'engagement. Ses hanches, ses épaules font face à la cible. Belle passe précise. C'est un gain de 16 verges pour Matthew Leblanc. Premier et 10 au 29. Groulx, la remise. Fin de remise plutôt. Il décide de courir lui-même et c'est la passe à Nicolas Bisaillon qui est frappé en touche à la ligne de 21, mais je vois qu'il y a un mouchoir sur le terrain. On a rudoyé Maxime Gagné qui a voulu en mettre un petit peu trop, je pense, sur Benoît Groulx. Il aura rudesse contre les Carabins. Du moins, c'est ce que j'ai vu. Et là, on parlait du jeu tantôt qui aurait peut-être dû garder le ballon. Ça n'y a pas pris du temps avant de comprendre. Regardez, le numéro 80, 51 à la gauche. Ça mène à l'intérieur. Parfait. Benoît Groulx conserve le ballon. Et en plus, il a l'option du jeu. Ça, c'est Bisaillon qui, lui, était demi-inséré au côté large, qui, lui, traverse la formation derrière Groulx, qui devient une deuxième option sur le jeu. Donc, quand tu parles de jeu bien dessiné et d'un carrière qui est capable d'exécuter, qui est capable d'en prendre beaucoup sur son assiette, excellent jeu qui a fonctionné. Alors, en raison de cette pénalité imposée au Carabin, le Rouge et Or menace. Il est à la ligne de 10 dans le territoire des Carabins. Groulx. La remise à son porteur de ballon, mais très bonne réaction là-dessus. Félix Marois-Blanchet qui réussit le plaqué et c'est une perte de terrain. Ouais, les Carabins qui ont joué de façon agressive, on amène et un joueur qui est arrivé comme une fusée à l'intérieur et je pense que ça crée de la... Numéro 45, Adair Aimable, qui arrive et il y a eu confusion. On n'a jamais bloqué Félix Marois-Blanchet. Blanchet, joueur expérimenté, bon joueur, il ne manque pas son plaqué. Il fait en sorte que Bisaillon doit, vient à peine de recevoir le ballon, qui doit déjà éviter un joueur. Donc, bon travail de Blanchet, belle accélération dans le champ arrière. Alors, c'est une perte de 5 verges, presque 6. Deuxième et 15, Laval au 15. Groulx cherche un receveur, décide de porter le ballon et il est arrêté à la ligne de 15. Encore une fois, Marois Blanchet est là pour réussir le plaqué. Et pour, un deuxième jeu, on amène encore à Adair Aimable. On veut créer, je pense que du côté des Carabins, on veut attaquer la ligne à l'attaque, on veut la tester. Quand tu amènes un blitz, ça veut dire que tu as au moins 5 joueurs qui s'amènent en pression. Donc, la ligne, c'est 5 situations de 1 contre 1. S'il y a un gars qui manque son bloc, c'est de la pression sur Groulx. Donc, bon travail de la ligne ici. Mais on voit que les Carabins s'amènent avec une attitude qu'on va amener de la pression et on va tester la ligne. Tentative de placement de 24 verges qui a été réussie par Cameron Takus. Le Rouge et Or prend les devants 3 à 0 contre les Carabins. Nous sommes de retour à Québec avec 6 minutes 17 secondes à faire au premier quart. Le Rouge et Or qui a les devants 3 à 0 contre les Carabins. Les trois premiers points qui ont été inscrits grâce au batteur Cameron Takus. Placement de 24 verges. Jonathan Jaudoin qui a déjà été victime de 2 interceptions et de retour au poste de quart. Premier et 10 au 35. Jaudoin, la passe. Et c'est bien capté par Yves Berriot. Regardez-le, il est rapide. Il se rend jusqu'au bout. Touché Montréal. Alors, on a testé Olivier Turcotte-Létourneau. On revient avec la prochaine séquence et on dit on va tester Vincent Gagné. Yves Berriot qui était rendu du côté large du terrain. Bel ajustement. La protection est bonne. Recul de 3 pas. Boum! La bombe. La passe est parfaite. Regardez, il y a juste Yves Berriot qui peut toucher au ballon. Et par la suite, oubliez ça, l'accélération. Cet gars-là, c'est peut-être le gars le plus vite du football universitaire canadien. 75 verges. Et quelle façon de répondre, là, hein, voilà. quand on dit qu'il faut des fois aller chercher le momentum et il faut l'enlever à l'adversaire, bon, mais ça, c'est une belle façon de le faire. Jean-Luc Lamarche est le batteur pour effectuer la transformation qui est réussie. Alors, les Carabins qui prennent les devants 7 à 3. Et ça, c'est
ça va devenir un méchant casse-tête pour Glenn Constantin. Parce que là, est-ce qu'il va falloir qu'il fasse une permutation, envoyer plus d'aide du côté de Berriot à chaque... Mais où Berriot va se positionner? Demi inséré, demi receveur espacé, côté court, côté large. Il va se promener partout, lui. On va essayer de trouver des confrontations avantageuses. Et plus tu dois apporter d'aide à ta tertiaire, bien moins tu as de joueurs pour arrêter la course. On va retrouver José Turmel. Oui, accompagné d'Yves Berriot. Yves, un peu sifflé sur toute une course? Ah, c'est une longue course, écoute. C'est bon partir le match comme ça, on est content. Puis on espère que ça va continuer contre le reste du match. Faire le premier touché, ça fait une différence dans un match comme celui-là? Bien, tout de même dans un match, je sais pas encore, mais ça donne un boost à l'équipe, ça donne un boost de confiance. Là. Il m'en doit deux autres. Oh, t'as de la pression? C'est correct, ça, j'aime ça avoir de la pression. Merci. Germaine. Merci. De retour à vous. Merci beaucoup, José. Yves Berriot qui marque son premier touché. L'an dernier, il n'avait inscrit aucun touché au cours de la saison 2005. Alors, lorsque Marc Santerre parle d'Yves Berriot, il parle de joueur électrisant. Je pense qu'on vient de voir l'exemple. Ah oui. Jean-Luc Lamarche est là pour effectuer le botté de reprise. C'est Dwayne John qui saisit à sa ligne de 5. John qui tente d'accélérer, court vers l'extérieur du terrain. Il y a une belle ouverture. Cal Farah-Lajoie est à ses trousses. Jean-Luc Lamarche également. Et John est toujours debout. Il a besoin d'un bloc. Vers le ballon. Perd le ballon. Et c'est récupéré par les Carabins. Alors, encore une fois, Pierre, autre revirement. Et c'est vraiment dommage pour John qui a réussi tout un retour. Mais ça, c'est le classique du gars qui tricote. Et c'est toujours dangereux quand je vois ça parce que là, tu sais que c'est des joueurs qui vont venir d'en arrière. Donc, tu les vois pas venir lorsque les joueurs arrivent au plaqué parce que t'as déjoué tout le monde. Donc, c'est un paquet de joueurs qui sont en poursuite. T'essaies de tricoter. Évidemment, c'est un instinct naturel. Là. C'est sûr que tu vas aller jusqu'au bout. Mais regardez, les joueurs vont arriver d'en arrière et par la suite, il y en a un qui va lui faire perdre le ballon. Et c'est encore Jerry Ralph Jules qui réussit un jeu fort important. Il menace ses effets, qui en profite. Alors, premier 10 pour les Carabins, leur ligne de 26. Jodoy à la remise à Joseph Monroué qui coupe vers l'intérieur et Monroué qui se rend jusqu'à la ligne de 32. Oui, le rougeur dans les circonstances qui s'en tire quand même assez bien parce qu'il y avait confusion. Il y a un joueur qui est arrivé la dernière seconde, même que je suis surpris que les arbitres l'ont laissé participer au jeu. Ça aurait pu être une substitution illégale. Monroué qui a gagné 4 verges sur le dernier jeu. C'est donc deuxième qui a gagné plutôt 6 verges. Deuxième et 4 au 32. Je crois encore une fois la remise à Joseph Monroué. Et Monroué est arrêté à la ligne de 34 après un gain de 2 verges. Vous n'avez pas suffisant pour un premier jeu. Alors Yves Berriot sur les lignes de côté. Ça a été très spectaculaire lors de la dernière séquence offensive. Alors, c'est à souhaiter pour le rougeur qui ne change pas de souliers. S'il n'y a pas des souliers plus rapides cachés quelque part, parce que... Alors, peut-être problème de souliers. Ouais. Pour certaines, c'est le genre de jeu qui vient vraiment changer les données quand tu es coordinateur défensif et que tu reviens par la suite. Ça crée des maux de tête. Louis-Philippe Charland qui effectue cette longue remise au batteur Michael Chouchat. À l'autre bout, Dwayne John et Nicolas Bisaillon sont là pour effectuer le retour. Le ballon qui est envoyé en direction de Bisaillon. Le ballon qui bondit devant le numéro 24 et finalement c'est récupéré par Dwayne John qui se rend jusqu'au 42. C'est 7 à 3 Montréal. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Nous sommes de retour à Québec. 3 minutes 45 secondes à écouler au premier quart. 7 à 3 en faveur des Carabins. Les deux équipes ne jouent pas du football parfait, loin de là, mais croyez-moi, c'est très excitant depuis le début de la rencontre. Des revirements, des jeux spectaculaires. Vraiment, on est très choyés. Alors, c'est premier essai et 10 pour le Rouge et Or, qui est à la ligne de 46 en territoire des Carabins. La remise dans le champ arrière à Pierre-Luc Yao, qui tricote bien. Et Yao se rend jusqu'à la ligne de 41. C'est Maxime Gagné qui a réussi de plaquer. Unité défensive, on voit Adair Aimable, le capitaine défensif
Un front défensif, écoutez, tout le monde revient, là, beaucoup d'expérience. Martin Gagné, numéro 51, à surveiller. D'ailleurs, j'ai bien aimé la tactique où on a fait le jeu, l'option sur Martin Gagné, parce que là, lui, il faut y en mettre le plus possible dans sa tête pour le faire penser, parce que ce gars-là, s'il a juste une idée en tête de mettre de la pression, il est tellement bon, tellement rapide, il faut le déstabiliser, il faut lui faire penser. Il ne faut pas qu'il sache d'où le jeu va venir. Deuxième essai et 5. On a bougé rapidement à côté de la ligne. Voilà. Alors, tout de suite, on siffle et on arrête le jeu. Et là, ça va compliquer le travail de l'unité offensive parce que deuxième essai et 10 maintenant au lieu de deuxième et 5. Donc, situation plus difficile. Voyons voir quel sera le jeu. Sur la dernière séquence de deuxième essai et 10, on a vu Benoît Groulx compléter une passe en mouvement. Il a fait bouger sa zone de protection. On respecte le front défensif des Carabins. Il y a des fois qu'il faut être capable de dire, écoutez, là, ils sont bons, eux aussi, ils font des jeux. Donc, pourquoi leur faciliter la chose et faire un recul direct derrière le centre? On va bouger, on va les fatiguer. On est maintenant à la ligne de 46. On a amené un receveur supplémentaire, en l'occurrence Laurent Lavigne-Mass. Et la passe qui était destinée à Nicolas Bisaillon. Bisaillon était fin seul en plein centre. Il s'est retourné, mais n'a pas été en mesure de capter cette passe. Oui, la passe qui était un petit peu derrière lui, donc attrapée difficile. Mais ce genre de jeu que tu reviens au banc, tu dis, écoutez, le jeu a fonctionné, l'exécution n'était pas parfaite. Donc, peut-être le genre de jeu, on va pouvoir revenir, là. Les Carabins n'avaient pas la réponse pour ce jeu-là. Mathieu Parent qui a réussi un premier dégagement de 19 heures seulement. À l'autre bout, un seul joueur est là pour effectuer le retour, Nicky Demers. Surprenant qu'on ne voit pas Yves Berriot sur les retours de beauté de dégagement. Je sens que c'est le genre de gars auquel j'aimerais qu'il touche le ballon le plus souvent possible. Alors, Parent qui envoie le ballon profondément, c'est dans la zone début. Demers qui décide de sortir de cette zone et il est plaqué à la ligne de 3 ou 4 verges. Alors, les Carabins qui vont profiter d'une position hautement difficile. Pierre, alors, on vous rappelle bien sûr que deux matchs ont déjà été disputés dans le circuit universitaire québécois. Vendredi soir, nous étions à l'Université Concordia où les Stingers ont mérité une victoire difficile, disons-le, contre le Vert et Or par le pointage de 18 à 15. Excellente prestation du quart recrue du Vert et Or, Jean-Philippe Chouari. Et dans un autre match disputé hier, victoire des Gators de Bishop contre les Redmen de McGill. Et le porteur de ballon, Jamal Lee, a été très spectaculaire, des gains supérieurs à 200 verges au sol. Vraiment, l'un des très bons porteurs de ballon cette saison. Alors, en raison d'une pénalité, on se retrouve à la ligne de fin. Et encore une fois, il y a un autre mouchoir sur le terrain. Et évidemment, le règlement universitaire est différent parce que les Carabins ont le vent dans le visage. On vient d'avoir une procédure inadmissible. On va essayer de se faire. Et quand j'ai vu Nicky Demers capter le ballon, ne pas accorder le 1 point... Oui. Et puis, aïe, 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 on va perdre 35 verges de gain. Il accorde le point. Mais dans le football universitaire, même si tu fais plaquer, tu es garanti de prendre le ballon à la ligne de 20. D'accord. Donc, dans les professionnels, tu dis, hey, la décision n'est pas bonne, mais l'universitaire, c'est garanti de reprendre le ballon à la ligne de 20. Donc, tu perds un petit peu moins au change. Voilà, souvent, c'est une technicalité qui m'avait échappé. Alors, pénalité imposée au Carabin. C'est premier essai à reprendre, mais 15 verges à franchir. Jodoin. Mais personne n'est là. Il y a Joseph Morouet qui s'était déplacé de sa position de porteur de ballon pour se retrouver comme receveur. Et je vois que sur la ligne offensive, il y a Woodley Jean qui a été frappé. Il a mis un peu de temps avant de se remettre sur ses deux pieds. Oui, Woodley Jean, j'ai eu la chance de lui parler avant le match. C'est un joueur sympathique, mais parfois, c'est le genre de gars qui donne un petit peu d'extra à la fin des jeux. Mais joueur combatif, on ne peut pas lui enlever sa hargne, sa combativité. Bon joueur, j'aime beaucoup regarder le jouer. Il m'a fait rire avant le match. Je pourrais y revenir après ce jeu. Deuxième essai, 15 verges à gagner. On est à la ligne de 15. Jodoin qui a d'abord fait la remise au porteur de ballon et il est plaqué derrière la ligne de mêlée. C'est une perte de terrain pour Jonathan Jodoin et les Carabins. Bon, bon travail. La tertiaire a fait le boulot. Jodoin n'avait aucune option où lancer. A dû mettre le ballon sur son avant-bras. Il est devenu un porteur de ballon. Et quand Carrière fait ce geste, il n'est plus un passeur. Donc, on sait qu'il va courir. Mais Woodley Jean m'a fait berrer. Il m'a dit, hey, monsieur Vercheval. Il dit, je veux juste vous dire qu'on a eu des ordres très stricts. Vous ne nous verrez pas en milieu de terrain pendant l'avant-match aujourd'hui. Évidemment, en parlant des événements de la saison dernière. Alors que les Carabins avaient pris part à leur
Séance d'échauffement en plein centre sur le logo du Rouge et Or. Michael Chucha, ou plutôt... Chucha qui accepte la remise et qui pose un genou au sol. J'allais dire, avec le vent quand même qui souffle de la gauche vers la droite lorsqu'on regarde le terrain, Wood Lujan, gros gabarit, mais c'est un gars qui est tellement mobile. C'est souvent lorsqu'on fait des courses et qu'il y a un joueur de ligne qui doit décrocher, qui doit s'amener au point d'attaque, c'est souvent Wood Lujan qui est appelé à se déplacer de façon latérale. Donc, joueur intense, un ancien de Cégep Vanier. Qui a été élu l'an dernier sur l'équipe d'étoiles québécoise et sur la deuxième équipe d'étoiles canadienne. Il évolue à la position de garde à gauche. Et à ses côtés, j'attire votre attention également vers Jean-François Morin-Robert, un autre excellent joueur de ligne offensive, qui a lui aussi trouvé refuge au sein de l'équipe d'étoiles canadienne, la deuxième l'an dernier. Et lorsque je l'ai vu là, sans ses épaulières avant le match, je veux dire que ce jeune homme-là a passé beaucoup d'heures dans le gymnase parce que carrure, il était très grand, très gros déjà, mais on dirait qu'il était plus en forme. Il avait l'air plus d'un joueur de ligne défensive qu'un joueur de ligne à l'attaque. Donc, tu vois que les gars ont mis beaucoup d'efforts dans l'entre-saison. Est-ce que Dwayne John tentera de racheter son erreur lors du dernier retour de dégagement? S'il reçoit le ballon, on verra bien comment il se comportera. Il faut faire attention parce que le vent souffle très fort. Ça peut être un botté qui est plus haut, plus court. Et c'est Nicolas Bisaillon qui saisit ce ballon. Bisaillon qui a besoin de quelques blocs et il déborde du côté droit, va gagner plusieurs verges supplémentaires et finalement, il est arrêté à la ligne de 46. Alors, c'est un excellent retour pour Nicolas Bisaillon. Donc, c'est Francisco Pepe Esposito qui va être content parce qu'on sait que maintenant, c'est lui le coordinateur des unités spéciales. Marc Fortier qui fait plus d'ouvrage maintenant avec la défensive. Mais regardez, encore une fois, c'est un deuxième retour de beauté très bon pour le Rouge et Or. Et cette fois-ci, bon, mais le Rouge et Or conserve le ballon. Donc, les unités spéciales qui, encore une fois, on le mentionne dans un match chaudement disputé, ce sont ces jeux-là qui peuvent faire toute la différence. Moins d'une minute à faire au premier quart. Premier et 10 au 46 dans le territoire des Carabins pour Benoît Groulx et l'attaque du Rouge et Or. Groulx qui cherche un receveur et il est plaqué derrière la ligne de mêlée par Mathieu Brossard. C'est un sac. Derrière Benoît Groulx plaqué derrière la ligne de mêlée. Perte de 4 verges. Alors Groulx, ça, pendant qu'on revoit Pepe Esposito, joueur vedette avec le Rouge et Or, capitaine défensif, joueur toute étoile en 99, joueur du match défensif dans la Coupe Vanier, première Coupe Vanier de l'histoire du Rouge et Or. Donc, joueur originaire de la France qui a tellement adoré le Québec. Restez ici. Il est resté ici. Pendant qu'on voit ici Benoît Groulx, très patient. Il va faire confiance à sa ligne, mais donnons le crédit, le front défensif s'est amené rapidement. Perte de 4 verges sur le dernier jeu, deuxième et 14, mais tout de suite, on a sifflé. Il y a deux mouchoirs sur le terrain et un début de dispute entre Martin Gagné des Carabins, de même qu'un joueur au ligne offensive. Dominique Poulin, en place Vincent Turgeon. C'est que l'excellent Vincent Turgeon, ennuyé par une blessure à la cheville, n'est pas de la formation chez le Rouge et Or, le bloqueur du côté droit. Donc, c'est Dominique Poulin. L'an passé, il avait raté la saison en raison d'une mauvaise blessure, mais parce qu'on parle de lui aux entraîneurs, on parle de bon physique, bonne attitude. Hey, écoute, il faut juste qu'il joue. À un moment donné, les gars, pour s'améliorer, il faut jouer, il faut de l'expérience. Donc, il est à cette étape dans son cheminement. Deuxième et 19, on est en plein centre du terrain. Groulx qui cherche un receveur, la passe, elle est haute et presque interceptée. Et encore une fois, c'est Jerry Ralph Jules qui est impliqué sur le jeu, vraiment. Ce jeune joueur connaît un excellent match jusqu'à présent. Oh, il y a un joueur de ligne à l'attaque qui est resté au sol. Côté du Rouge et Or. Et c'est là le problème, là, dans certaines parties de l'équipe, des deux côtés. On ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de blessures parce qu'on n'a pas de profondeur. La ligne à l'attaque, c'est le cas chez le Rouge et Or. Alors, les Carabins qui ont les devants, c'est la fin du premier quart. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Les statistiques après un quart vous sont présentées par General Motors du Canada.
Alors l'attaque du Rouge et Or qui n'a pas vraiment eu la chance de se manifester au cours de ce premier quart. Des gains de 43 verges seulement. 121 verges pour l'attaque des Carabins, dont 89 par la passe. Et on peut dire un gros merci à Yves Berriot qui a réussi un très long gain, 75 verges. Et Marc Santerre sera content lorsqu'on regarde la statistique. Le jeu au sol du Rouge et Or, seulement 16 verges. Rappelons aux gens que l'année dernière, dans les trois victoires du Rouge et Or, en moyenne, 200 verges au sol par match. Et c'est ça souvent qui faisait la différence. Alors, ce sera troisième essai. Le Rouge et Or qui doit donc effectuer un botté de dégagement. C'est Mathieu Parent qui s'exécute. Et on est entré en collision avec le batteur, oui. Alors, Yves Berriot, il est de retour sur le terrain. Et Berriot est frappé par deux joueurs du Rouge et Or à la ligne de 15. Et je vous rappelle, contact avec le batteur, oui. Alors il y a un mouchoir sur le terrain. Et Marc-André Arquat, le numéro 23, c'est un vrai... C'est un animal, ces unités spéciales. Et ça, c'est un ancien joueur de ligne à l'attaque au Vieux-Montréal qui est tellement, pendant qu'on revoit la reprise, Nicky Demers, qui arrive casque sur le genou, il ne regardait pas où il s'en allait. Bon, il... Donc, il entre en contact avec le batteur, mais Arquat, quel plaqué sur les unités spéciales. Et quand je dis que ça, c'est un ancien joueur de ligne à l'attaque au Vieux-Montréal, tellement athlétique, le Rougeard lui a demandé « Peux-tu devenir centre-arrière? » Il a accepté son rôle, il le fait à merveille, un excellent bloqueur, évidemment, étant un ancien joueur de ligne. Mais c'est pas la première fois depuis le début du match que je vois le 23 être solide sur les unités spéciales. Alors, pénalité coûteuse imposée aux Carabins, si bien que... Le Rouge et Or est maintenant en territoire des Carabins avec ce premier essai. D'ailleurs, chaque série du Rouge et Or a débuté dans le territoire des Carabins depuis le début de la rencontre. Alors, 6 pénalités pour 74 verges pour les Carabins. Roux la remise à Pierre-Luc Yao. Et Yao a d'abord été agrippé aux chevilles par Martin Gagné. Et tout de suite, on a sifflé pour la fin du jeu. Non, Martin Gagné, ça, c'est un fin renard. C'est un joueur explosif qui est fort, qui est agile, qui est intelligent. Et encore une fois, là, aucune chance pour le porteur de ballon. Et c'est ça souvent que je veux dire. Quand je dis que le rôle de la ligne à l'attaque, c'est d'amener le porteur à la ligne d'engagement. Si tu fais ça, tu as une chance. Et là, dans ce cas-ci, on ne l'a pas amené à la ligne d'engagement. Il a dû commencer à éviter le premier gars à 5 verges. Il venait à peine de recevoir le ballon. Donc, c'est simple à dire, mais la ligne à l'attaque, quand un gars comme Benoît Groulx, quand un gars comme Pierre Yao, en partant, mettons un homme devant chaque homme. Et si on fait juste ça, ces gars-là vont faire des jeux. Deuxième et 13. Attention, Groulx était poursuivi par un joueur des Carabins. Et immédiatement après, il a été frappé par quelques joueurs des Carabins, dont Christian Houle. Bon, les Carabins, profondément dans leur zone. Situation de deuxième essai, on est très agressif. On amène le blitz, on amène au moins un secondeur pour venir appuyer le travail de la ligne défensive. On a vu Adair Aimable plus tôt. Cette fois-ci, c'était Christian Houle, secondeur extérieur. Et la pression est venue la dernière fois du côté court du terrain parce qu'on sait, chez Carabin, on sait que Mathieu Parent, lui, quand il est sous le trait assuré du côté droit, il veut botter le long des lignes du côté droit. C'est pour ça qu'on amène la pression de ce côté-là. On veut essayer de bloquer le botté de ce côté-là. Bonne remise vers Parent qui, encore une fois, s'exécute du côté droit. C'est Yves Berriot qui saisit à la ligne de 15 et Berriot est frappé immédiatement et sort en touche. C'est le premier 10 Montréal, le 18. Les statistiques après le premier quart. Alors voici ce qui s'est passé il y a quelques secondes à peine. Alors c'est Hamid Mamoudi, pardon. Les premiers jeux. Alors, pas qu'est-ce qu'il a fait, mais... Est-ce qu'on parle un peu trop ouais. Ou... Non, c'est pas on se fait remettre à l'ordre. Je pense qu'il a passé son message. Ouais. Après, je pense qu'il faut rappeler un premier avertissement et un dernier. Hamid Mamoudi est une recrue chez les Carabins. Il est un ancien des Spartiates du Vieux-Montréal, élu sur l'équipe d'étoiles l'an dernier au niveau collégial 3A. Alors, Marc Santerre qui semble avoir des ennuis avec son casque d'écoute. Est-ce qu'on va demander du côté du Rouge et Or, mettez vos casques d'écoute de côté tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes du côté des Carabins? Voilà, on vient d'aller voir Len Constantin. Et voilà, on t'enlève ton casque d'écoute. Mathieu Leblanc.
On a vu Parent qui a encore botté du côté court. Ouais, et éventuellement, si on réussit à mettre de la pression du côté des Carabins de ce côté-là, on va dire à Mathieu Parent, tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu bottes du côté large. Et là, on va mettre Yves Berriot du côté large. Donc là, tu dis, wow, si je bats du côté court, je vais me faire bloquer mon botté. Si je bats du côté court, j'ai Yves Berriot avec tout le terrain devant lui. Premier et 10, Carabins à la ligne de 18. La remise à Joseph Moreau. Et Moreau qui perd le ballon récupère le ballon. Les Carabins ont eu chaud, oui. Croyez-moi. Parce que là, si le Rouge et Or recouvre ce ballon à cette ligne, c'est une belle position pour commencer une série offensive. Oui, et c'est Rudy Jean, numéro 95, qui va arriver, qui est tout prêt. Il voit le ballon, lui. Il veut sauter sur le ballon. Mais il est en train de comme un navire qui essaie de tourner dans l'océan. Là, ça tourne pas sur une dizaine. Et là, Moreau est très alerte, qui reprend le ballon. Deuxième essai maintenant, Neuverges a gagné. Jaudoin qui court, roule à sa droite. Quelques joueurs sont à sa poursuite. Et le plaqué qui a été réussi par Marc-Antoine Baudouin-Cloutier. Ce ne sera pas suffisant pour un premier jeu, plaqué au 25. Alors on demande le mesurage. Troisième essai. OK, là on voit vraiment que ça ne sera pas suffisant. Non, on avait besoin de 9 verges et Jaudoin a gagné 6 verges seulement. Alors, Et Jaudoin avait deux options sur le jeu. Berriot et un autre receveur, je crois que c'était Pellerin, mais les deux étaient très bien surveillés. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu forcer le jeu. Et on se dit, le soleil va se lever demain. On va vivre pour une autre journée. On va dégager. On va faire confiance à notre unité défensive qui fait très bien. Donc ça, c'est du football intelligent. Michael Choucha qui effectue le botté de dégagement. Le ballon est envoyé en direction de Dwayne John qui saisit au 43. John est toujours debout et il court bien, déborde du côté droit et il profite d'une belle ouverture le long des lignes et sort finalement en touche. Mais je vois encore une fois, Pierre, des mouchoirs sur le terrain. C'est 7-5 en faveur des Carabins. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Les amateurs de sport de Montréal sont peu nombreux ici à Québec, mais certains affichent leur couleur, non pas celle des Carabins, mais celle du Canadien de Montréal. Je ne sais pas s'il a été hué à son arrivée ici au Peps. Alors, pénalités qui ont été imposées sur le dernier jeu, sur le retour de Dwayne John, si bien que le Rouge et Or revient au point de départ, c'est-à-dire à la ligne de 43, avec un premier essai. Benoît Groulx, la remise à Pierre-Luc Yao qui cherche l'ouverture. Mais tout de suite, on réagit très bien et on stoppe la course de Pierre-Luc Yao. Je crois que c'est Martin Gagné qui est encore au cœur du jeu. Ah oui, on ne gagne pas la guerre des tranchées présentement. Le front défensif contrôle les joueurs de ligne à l'attaque du Rouge et Or. Quand tu vois le porteur de ballon qui commence à piétiner, à ralentir, qui cherche, tu vois, là, il n'est pas à l'aise, il cherche, il piétine. Ça, c'est signe qu'il ne voit pas de trou. Tout ce qu'il voit, c'est les numéros de ses joueurs de ligne qui sont repoussés par le front défensif des Carabins. Aucun gain sur le dernier jeu. Deuxième et 10, toujours au 43. Groulx qui accepte la remise, cherche un receveur et décide de porter le ballon. Il se rend jusqu'au 50, au 51. Alors, ce sera un gain de 8 verges. Je vous rappelle qu'on avait besoin de 10 verges. Et est-ce que Benoît Groulx a été secoué sur le dernier jeu? Oui. Il est demeuré sur le terrain. 3 et 2. Aurait-il le ballon collé sur son ventre lorsqu'il a été plaqué? Il a perdu le souffle, la pression du ballon. Donc on voit formation à 6 receveurs. On ne trouve pas ses receveurs. Et oui, on voit. Et regardez à la toute fin, il y a un joueur des Carabins qui s'amène. Et peut-être a-t-il été pogné solidement. Oui, coup de genou sur le casque. Mm-hmm. Donc. Alors, celui que vous apercevez sur les lignes de côté, c'est César Sanchez Hernandez, le quart numéro 2 chez le Rouge et Or. Il était là l'an dernier. Oui, l'an dernier, a quand même complété 66 % de ses passes. Une passe de toucher, aucune interception. On va faire une courte pause, Pierre. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Il y a de grandes attractions aux abords de nos routes. Des attractions monumentales. Et seul le plus grand constructeur automobile au pays peut vous en offrir une de plus.
La grande liquidation GM, notre plus gros événement jusqu'à maintenant. Des véhicules maintes fois primés pour leur qualité, leur économie d'essence et leur style. Plus 0% sur votre financement à l'achat et des offres spectaculaires à la location sur la plupart des modèles 2006. Rendez-vous chez votre concessionnaire GM dès maintenant. Alors, bonne nouvelle pour le Rouge et Or. Benoît Groulx est debout sur ses deux jambes et il semble remis du dernier coup qu'il a reçu. Troisième essai et deux verges. Voilà donc pourquoi Mathieu Parent est de retour sur le terrain pour effectuer un botté de dégagement. À l'autre bout, Maxime Gagné, de même que Jean-Philippe Provencher sont là pour recevoir. Et c'est Gagné qui saisit à la ligne de 25. Et tout de suite, les joueurs du Rouge et Or qui réagissent rapidement et qui frappent Maxime Gagné. Alors, Alexandre Edmé, le numéro 22, porteur de ballon. Il vient encore une fois frapper durement le retourneur des Carabins. Et du côté des unités spéciales, disons que le Rouge et Or fait du bon travail sur les unités de couverture, a de bons retours de beauté. Donc, on sait que l'an dernier, c'était souvent les Carabins qui avaient les devants dans cette facette de jeu. Pour l'instant, le Rouge et Or se défend bien. Ah oui, des joueurs très agressifs, très rapides, vraiment, là. De vraies petites fusées. Premier et 10 au 25 pour l'attaque des Carabins. Fin de remise au porteur de ballon. La passe qui est complétée vers les lignes de côté. Ou est-ce que le ballon... Non, le ballon n'a pas été maîtrisé. C'est Olivier Pellerin qui était le receveur impliqué sur le jeu. Et dommage pour Jodoin, parce que ça, c'était une passe parfaite. Pellerin qui s'était démarqué dans la couverture de passe du Rouge et Or. Le demi-défensif, Morales, est dans la zone courte sur le trachuré. Donc, le demi-point est dans la zone profonde le long des lignes de côté. Donc, le trou, il est là où Pellerin était. Et la passe a été bien faite par Jodoin. Et ça, comme on dit souvent, c'est une passe incomplète au dossier de Jodoin, mais c'est son receveur qui devait la capter. Deuxième essai, toujours 10 verges à gagner au 25. La passe encore une fois vers Nicky Demers. Et Demers qui saisit à la ligne de 38 ou 39. Alors, ce sera bon pour un premier essai Montréal. Donc, Jodoin... Marc Santerre, qui avait des commentaires élogieux, il disait que lui, il était victime d'une perception. Victime qu'on... Tu sais, je comprends pas, tout le monde dit que c'est pas un bon corps, mais souvent, on lui donnait pas les armes, on le laissait pas prendre son rythme, on lançait pas assez le ballon. Donc, chaque passe devenait comme une situation difficile à gérer. On va essayer de l'utiliser plus souvent. Joseph Monroy, qui piétine, se rend jusqu'au 45 après un gain de 6 verges. Et Santerre, lui, c'était Jodoin et Yves Berriot. Berriot dit, tout le monde dit qu'il est juste bon comme receveur, hein, comme retourneur. Un instant, c'est un bon receveur. Oui. On va le prouver cette année. Jodoin, c'est un bon corps. J'ai gagné 2 balles d'or avec lui. C'est un gars qui est capable de lancer, mais il faut lui donner la confiance. Il faut qu'il lance plus que 10 passes dans un match pour que tu puisses prendre son rythme. Alors, Monroy a gagné 5 verges sur le dernier jeu. C'est donc deuxième et 5 au 44. On s'approche du centre du terrain. Jodoin qui accepte la remise, passe vers Yves Berriot, mais encore une fois, le ballon était là, mais le receveur ne saisit pas. Donc, jeu au sol déguisé. Lorsqu'on fait la passe piège, le receveur est passé. Un pas vers l'avant, revient vers l'intérieur. Et là, il devrait revenir un petit peu plus pour permettre à ses joueurs de ligne de faire les blocs, parce que les joueurs de ligne s'amènent de l'intérieur vers l'extérieur. Lui, il doit partir de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir reprendre son chemin derrière ses bloqueurs. Donc, ne doit pas arrêter, doit continuer vers l'intérieur, mais doit capter le ballon avant de courir. Voilà. Michael Choucha, qui a maintenu une moyenne de 35 verges par botté de dégagement jusqu'à présent, en effectuera un autre. Et vous avez vu il y a quelques secondes, notamment Dwayne John, l'un des deux joueurs du Rouge et Or, pour effectuer le retour. Le botté est bien fait, tout en hauteur. Le ballon est saisi à la ligne de 14 par John. Et John revient finalement à la ligne de 15. Alors, bon travail également des unités spéciales des Carabins qui limitent le retour à une seule verge. Alors, autre série offensive pour le Rouge et Or, avec un peu plus de 8 minutes à faire au deuxième quart. Est-ce que Benoît Groulx sera en mesure de compléter ou du moins de générer un premier touché aujourd'hui? On verra bien. Alors, voyons voir ce que l'attaque a dans le ventre, parce que profondément dans sa zone, contre le vent. Défense des Carabins qui fait bien depuis le début de match. Premier et 10 au 15.
fin de remise. La passe est complétée à Mathieu Leblanc. Et Leblanc qui court et se rend jusqu'à la ligne de 24. Avec un gain très intéressant de 9 verts. C'est un petit peu le même jeu que les Carabins viennent d'essayer. Mais regardez bien, si vraiment on a la reprise, vous voyez que Mathieu Leblanc va revenir vers l'intérieur, va toujours courir vers son corps, même en captant le ballon. Donc, ça lui permet de courir tout de suite et de revenir de façon verticale derrière son bloc. La kick a été réussie par Sébastien Bourassa. C'est donc deuxième et un au 24. Groux, sans surprise, la remise au porteur de ballon qui réagit bien dans les conséquences. Il tentait de se rendre du côté droit, a stoppé sa course et a bifurqué de l'autre côté pour aller gagner le premier essai. Bonne vision, bon changement de direction, mais surtout, connaît la situation. À un moment donné, je me dis, oh, s'il décide de déborder trop vers la gauche, il va peut-être perdre du terrain. Mais là, il n'a pas oublié que c'était un deuxième essai de vert. Je dis, non, gars, j'ai une petite brèche, je vais attaquer à la façon verticale, je vais aller chercher le premier essai. Donc, Yao qui a été sage sur cette séquence. Premier 10 au 27. Roux qui fait la remise au porteur de ballon, tente une passe qui est bien captée par Michel-Pierre Pombriant et Pombriant se rend jusqu'au 40. Mais je crois qu'un mouchoir a été lancé, si je ne m'abuse. J'ai cru voir un joueur des Carabins bouger avant le début de l'action. Donc, pénalité qui sera refusée. Voilà. Donc, jamais le Rougeard peut faire une belle séquence offensive, aller marquer des points, ce sera tout un tonus pour la confiance. Parce qu'on était, n'oublions pas, là, ils étaient à l'intérieur de leur ligne de 20. On a gagné 25 verges jusqu'à présent. Alors, autre premier essai, Laval, cette fois à la ligne de 40. Roux qui accepte la remise, tout de suite jette un coup d'œil vers son receveur de passe, Samuel Grégoire Champagne. Et Grégoire Champagne qui saisit le ballon à la ligne de 44 après un gain de 4 verges. Alors Samuel Grégoire Champagne, pour moi, c'est ce que représente le sport étudiant. Écoute, ce gars-là étudie en médecine et il joue au football en plus. Donc, non seulement il faut être tout un athlète, mais il faut être bolé pour à peu près. Parce que je peux vous dire, les gars, ils mettent beaucoup d'heures dans la préparation. Et je ne peux même pas imaginer le genre d'heures qu'il doit mettre dans ses études. Donc, Grégoire Champagne, un bel exemple du sport étudiant. Tout à fait. Deuxième et six. Roux cherche la passe en plein centre et c'est capté à la ligne de 50. Mais Adair Aimable a été très rapide sur le jeu pour limiter les dégâts. Passe complétée à Pierre-Luc Yao. Alors, c'est un premier essai Laval. On se retrouve à la ligne de 50. On s'approche du centre du terrain. Alors, on voit Ben Drew qui a profité d'une bonne protection, a cherché toutes ses options. Il n'était pas sûr. Regardait du côté de Champagne, du côté large. Il revient à l'intérieur. Oui, c'est un premier essai. Un peu plus de 5 minutes à faire au deuxième quart. Premier essai, Laval. Roux. La remise à son porteur de ballon, Pierre-Luc Yao. Et Yao qui travaille très fort pour gagner 4 ou 5 verges sur le jeu. Alors, le Rougeard qui envoie des formations variées maintenant. On avait une formation 2 ailiers rapprochés. Il y a 4. 3 receveurs, 1 porteur. Donc, on veut essayer de forcer l'adversaire à vous ajuster. C'était Marc-André Arcouat et Michel-Pierre Pombriant qui étaient les demi insérés. Voilà, les deux quittent. On amène Nicolas Bisaillon. De même que Laurent Lavigne-Mass. Donc, formation à 6 receveurs de passe. Alors, après un gain de 4 verges, c'est donc deuxième et 6 au 54. Groux, encore une fois, accepte la remise, cherche un receveur, la pression est forte et il complète une passe à Pierre-Luc Yao. Yao qui déborde du côté gauche, entre en collision avec un rival et gagne un autre premier essai. Vraiment bonne exécution pour Benoît Groux et Pierre-Luc Yao. Et belle mobilité. Et Martin Gagné, numéro 51, qui se fait prendre. Pense qu'il peut se rendre à Ben Groux en allant vers l'intérieur, mais Ben Groux plus mobile. Regardez le numéro 51. Oui. Se dit, je vais attaquer à l'intérieur, mais en faisant ça, ne contient plus le quart. Donc, Groux mobile, évite la pression, achète, gagne du temps, repère Yao par la suite. Donc, parfois, les ailiers défensifs, on pense qu'on peut avoir le chemin le plus court, mais si on ne réussit pas, on se fait prendre et on ne fait pas notre boulot finalement. Gain de 13 verges et vous avez vu Amine Mahmoudi qui a été victime d'un dur plaqué.
Pierre-Luc Yao, encore une fois, qui porte le ballon, travaille très fort et se rend jusqu'à la ligne de 36. Donc, le Rougeard qui revient avec sa formation à deux élites rapprochées. Voilà, on ramène Bisaillon, un autre receveur. Donc, on veut voir comment les Carabins vont réagir à cette formation. C'est une formation qui souvent indique le jeu au sol. Mm-hmm. Mais Arquat, Pontbriand, ça peut être de bons receveurs aussi. Donc, si on met trop d'énergie pour contrer le jeu au sol, les receveurs vont avoir des situations un contre un. Deuxième essai, trois verges à franchir. Groulx, la petite passe qui a été rabattu par Martin Gagné. On va faire une courte pause. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. C'est un gars pour revenir avec la passe bête de son côté, mais voire intelligent, il a levé les bras. Il a vu le geste du corps qui n'était pas normal. Donc, Anguille Souraj lève les bras, rabat la passe. Premier et 10 au 15 pour Montréal. La remise dans le champ arrière à Joseph Monrouet. Et Monroy est arrêté après un gain de une ou deux verges tout au plus. Donc on parlait de sport étudiant tantôt. Je regarde Alexandre Zara, on a couru son côté. Lui, il a terminé son bac, il fait une maîtrise. Il est déjà ingénieur chez Pratt & Whitney. Alors, il a trouvé une façon de revenir pour une cinquième année. Il aime ça jouer au football, mais c'est ça la beauté du sport étudiant. Là. Ces gars-là, on vient à l'école aussi. Deuxième et 9, on a bougé rapidement sur la ligne de mêlée. La passe est complétée à Yves Berriot et Berriot est projeté en touche. La kick a été réussie par Vincent Gagné, mais je vois qu'il y a des mouchoirs sur le terrain. Alors, voyons voir. Contre le Rougeard, donc pénalité qui sera refusée. C'est un gain de 23 verges pour Yves Berriot. On revoit la séquence, Pierre. Alors, regardez, là. Arjun, Laval, décliné. On lui accorde beaucoup de terrain, hein, parce que c'est sûr, là, on se souvient du toucher de 75 verges. Donc, Vincent Gagné, bon, je vais me padder un petit peu, là, je vais me donner un poussin. Sauf que là, maintenant, la zone intermédiaire devient disponible pour Yves Berriot. On va peut-être en attraper quelques-unes consécutives dans cette zone-là. Et tôt ou tard, on va revenir avec la longue passe. Premier 10 au 37. Jaudoin qui cherche un receveur décide de porter le ballon. Et finalement, il sort en touche. Et encore une fois, mouchoir. A-t-on été un peu trop rude à l'endroit de Jaudoin après sa course? Ouais. Je ne pense pas qu'on a été rude parce que le plaqué n'était pas solide, mais je pense que l'arbitre dit tu as plaqué, tu ne fallait plus toucher. Il était déjà à l'extérieur. Donc oui, c'est de la rudesse. Dans le livre des règlements, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un contact sévère, sauf qu'on dit que Kelly Hilaire, numéro 45, que Jaudoin était à l'extérieur et qu'il n'aurait pas dû le plaquer, n'aurait pas dû le toucher. Bon, ça reste que c'est un sport de contact. Voilà. C'est le jugement de l'arbitre. Ben, ça, c'est... Alors, on est maintenant en territoire du Rouge et Or à la ligne de 52. Autre premier essai pour les Carabins. La remise à Joseph Monrouet. Monrouet qui cherche une ouverture et il est arrêté à la ligne de 46 après un gain de 6 verges. Les Carabins continuent avec des courses du côté droit, en course du côté d'Alexandre Zara, de Pierre Absy. On amène Woodley Jean au point d'attaque. Regardez, excellent bloc numéro 50. Donc, on amène du boss au point d'attaque. Jonathan Lapointe, Woodley Jean, on amène deux bloqueurs supplémentaires. Donc, on crée un surnombre lorsque le jeu commence. Deuxième et 3, la passe complétée à Nicky Demers. Et Demers qui se rend jusqu'au 35. C'est un premier essai Montréal. Nicky Demers, l'un des vétérans également chez les Carabins. L'an dernier, il a capté 12 passes avec une moyenne de 10 verges par réception. Encore une fois, tracé en crochet dans la zone courte extérieure. On accorde beaucoup cette passe-là, côté large du terrain. C'est pas tous les corps qui aiment lancer de ce côté-là. Donc, on prend le pari qu'il ne lancera pas dans ce coin-là. Olivier Pellerin qui saisit la passe et Pellerin qui tente de gagner quelques verges de plus se rend jusqu'à la ligne de 26. Et Jaudoin, pour un deuxième jeu consécutif, nous démontre qu'il a le bras pour lancer dans cette zone-là parce que souvent, c'est une zone que si tu es sur le trait assuré du côté gauche, tu lances dans la zone courte extérieure du côté droit. C'est une passe de 40 verges pour un gain de 5 verges. Donc, ça prend un bras puissant, ça prend un corps qui est solide et qui a confiance à son bras pour lancer cette passe.
Situation de deuxième essai et une verge. On a remis le ballon au centre arrière Jonathan Lapointe, mais tout de suite, on a vu que chez le Rouge et Or, on était prêt. On connaissait bien sûr la stratégie. La bonne nouvelle pour les Carabins, si c'est pas réalisé, c'est qu'ils ont encore un troisième essai. Donc, ça semble tout prêt. C'était tout prêt, effectivement. Mais quand un troisième essai est moins d'une verge, techniquement, avec la verge entre qui sépare les deux lignes d'engagement. Alors, on devra justement effectuer un mesurage, je crois. Alors, les hommes s'amènent sur le terrain. Alors, voici le résumé de ce match qui vous est présenté par General Motors du Canada. Alors, Jonathan Jaudoin, qui a connu un début de match difficile, disons-le, en étant victime de deux interceptions. Il a jusqu'à présent récolté 145 verges par la passe. Benoît Groulx, de son côté, des statistiques un peu moins reluisantes, 72 verges seulement. Les pénalités ont été nombreuses, notamment imposées aux Carabins, 6 pour des pertes de 74 verges, 5 pénalités imposées aux Rouge et Or. Et bien sûr, tout un début de rencontre, puisque 3 revirements sont survenus lors des 3 premières possessions du ballon. D'abord, interception du jeune Turcotte Letourneau. Ensuite, un échappé de Nicolas Bisaillon. Et par la suite, une interception de Luis Morales. Alors, on voit un petit peu moins d'une verge. Donc, évidemment, pour un troisième essai, ça pourrait drôlement ressembler à une faufilade du corps. Voyons voir quelle sera la stratégie. Jeu fort important avec un peu plus d'une minute à faire au deuxième quart. Jaudoin porte le ballon lui-même. Il est bien servi et gagne un premier jeu pour les Carabins. Avec 1 minute 10 au deuxième quart. Et là, il y a un mouchoir qui a été lancé. Est-ce qu'on a rudoyé ou on a une conduite antisportive à la fin du jeu? Voilà, du côté du Rouge et Or. Donc, pénalité coûteuse. Je pense qu'on a vu certains entraîneurs faire signe aux joueurs, calmez-vous un peu. Oui, les joueurs sont allés voir aussi. Lucille, Laval, premier cercle. Alors, les Carabins qui vont profiter d'une très belle position sur le terrain et on revoit cette faufilade du quart. Alors, on a vu tous les joueurs de ligne épaule à épaule. On a fait un bouclier devant Jonathan Jaudoin. On a réussi à l'amener du bon côté de la ligne d'engagement. Premier essai, Montréal, 10 verges à gagner. Le ballon est placé à la ligne de 12. Jaudoin cherche un receveur. La pression est forte. Et Jaudoin est frappé derrière la ligne de mêlée. C'est un sac réussi par le Rouge et Or. Ils sont contents de faire une feinte de course-passe. On feinte la course du côté gauche, mais on a vu Jaudoin qui a trébuché dans son jeu de pied. Faire pied un petit peu et par la suite n'aime pas ce qu'il voit. Et encore là, c'est correct là. C'est pas un jeu positif. Par contre, le pire scénario, c'est qu'il faut que tu sortes ici avec au moins 3 points. Donc, regarde, t'aimes pas ce que tu vois, le match est encore jeune. On se reprend sur le deuxième essai. Perte de 4 verges, deuxième et 14 au 17. Jaudoin, encore une fois, la passe dans la zone des buts et c'est incomplet. Michael Choucha était le receveur visé sur le jeu, mais il y avait une très belle couverture de la part des joueurs du Rouge et Or. Alexandre Vendette, nouveau maraudeur, hein, ancien demi de coin, remplace Yves Hercule, qui est venu supporter le travail de son demi-défensif. Le numéro 4, Samuel Lajoie. Donc, Lajoie est en couverture homme à homme, mais Vendette est venu appuyer, a lu le geste du corps, les yeux du corps, le déplacement du corps a amené Vendette de ce côté-là et vient aider son coéquipier. Les Carabins sont donc dans l'obligation d'effectuer un placement, tentative sur une distance de 24 verges. Et le ballon qui passe entre les poteaux, 3 autres points s'ajoutent à l'affiche des Carabins. C'est un placement réussi par Jean-Luc Lamarche. C'est maintenant 10 à 5, Montréal avec une quarantaine de secondes à écouler au deuxième quart. Oh, excellente séquence à l'attaque parce que rappelons aux gens que les Carabins étaient profondément dans leur zone lorsqu'ils ont pris possession de ce ballon. Et d'avoir été en mesure de traverser tout le terrain, d'aller marquer des points. On répète, ce sont deux défenses coriaces. Oui. Donc, si on peut aller chercher tous les points qu'on est capable, il faut en profiter pour ne pas gaspiller les occasions lorsqu'on arrive profondément dans le territoire d'adversaire. Alors, 41 secondes exactement à écouler au deuxième quart.
Que fera Benoît Groulx et les membres de l'unité offensive du Rouge et Or? La remise était un peu difficile. Groulx n'a d'autre choix que de courir un peu. Et la passe est bien complétée à Samuel Grégoire Champagne. Très belle exécution, beau sang-froid. Et c'est un premier essai, Laval. On voit le travail du grand numéro 87. Assez profond le long des lignes de côté. Donc ça, ça prend aussi un corps qui est en mesure de lancer une bonne passe. Gain de 20 verges pour Grégoire Champagne. Premier et 10, on est au centre du terrain. Cette fois, Groulx cherche du côté gauche. La passe est complétée à Nicolas Bisaillon. Et Bisaillon qui sort en touche à la ligne de 44. Alors, autre premier essai, Montréal, c'est un gars de 12 verges. Ouais. Et Nicolas Bisaillon, pour les gens qui se demandent, hey, pourquoi c'est plus un porteur de ballon? On avait Pierre-Luc Gao, on a Bisaillon. Si Bisaillon, c'est tellement un bon athlète. S'il est porteur de ballon, on ne peut pas toujours les avoir en même temps sur le terrain. Donc, est devenu demi-inséré, a participé au camp des Eskimos d'Edmonton, a été repêché par les Eskimos, était là comme demi-inséré. Il a appris beaucoup. Lorsqu'on parle à Danny Machocha, a connu un bon camp d'entraînement. Et là, c'est la raison pour laquelle il est receveur maintenant. Groulx cherche un receveur. La très longue passe. Et c'est incomplet. Laurent Lavigne-Masse était le receveur visé sur le jeu. Il était bien surveillé. Et on sentait qu'il avait hâte que le ballon arrive. Oui, et le problème pour Benoît Groulx, passe très longue, mais le vent, il est contre le vent présentement. Donc, par contre, il se dit, j'ai mon grand receveur de passe qui travaille contre un demi-coin plus petit. Est-ce qu'il va être, excusez une expression de basketball, est-ce qu'il va être meilleur que le joueur défensif au-dessus du panier, hein, above the rim? Okay. Là, on se dit, regarde, on va espérer que notre gars va être capable de sauter et d'aller chercher le ballon à son plus haut point. Quatre receveurs sont en mouvement du côté large. On opte pour le côté court et la passe est complétée à Samuel Grégoire Champagne. On avait besoin de 10 verges et je crois que le jeu a été bien exécuté pour un premier essai, Laval. Et la beauté de ce tracé de passe, on va chercher un premier essai, mais en plus, tracé le long des lignes de côté, on arrête le chronomètre. Donc, il reste 14,1 secondes. On peut repartir au caucus. On peut parler de la prochaine stratégie, de la prochaine situation. Alors, passe de 12 verges. Autre premier essai. On est maintenant à la ligne de 32. Groulx. Encore une fois, cherche un receveur. La passe est complétée en plein centre. Et c'est Dwayne John qui saisit le ballon avec 6 secondes à faire au deuxième quart. Autre premier essai, Laval. Et oui, Laval qui vient d'utiliser son deuxième temps d'arrêt. Gain de 14 verges pour Dwayne John. Fin de deuxième quart fort excitant. Là, la discussion, c'est 6,5 secondes. D'où on est? Est-ce qu'on a la chance de faire un autre jeu avant le voter de précision? Là, ça, c'est la grande discussion. Voilà la réponse. On vient d'avoir la réponse parce que on se dit qu'on n'a pas le choix. Si on fait un prochain jeu, il faut que ça soit dans la zone de but. 6,5 secondes, on est vraiment à la limite, là. Et je pense qu'on parle, il ne faut pas gaspiller les occasions. Parce que les défensives sont coriaces. Rangée 1, siège numéro 10 de chaque section. Représentez-vous avec votre billet, tous les sièges. Alors, on optera pour une tentative de placement. Toutes les sections, donc rangée 1, siège numéro 10. Présentez-vous avec votre billet. C'est Cameron Takis. Il s'amène sur le terrain. Il a réussi sa première tentative plus tôt aujourd'hui sur une distance de 24 verges. Il pourra battre son record personnel de la journée puisqu'il est à 25 verges, je crois. Attention! Et voilà, bravo, M. Takis. Record personnel, 25 verges. L'écart est réduit à seulement 2 points. C'est 10 à 8 en faveur des Carabins avec 2 petites secondes à écouler au deuxième quart. 2,8 secondes, t'as le vent dans le dos. Lance-tu une bombe à Yves Berriot? Tu mets le genou au sol. Hey, pourquoi pas? On a vu, hein, vendredi soir, chez Verréard, oui. On a été très agressifs parfois. Puis... Par contre, c'est sûr que le Rougeur, quand je vois Alexandre Vandel qui est en train de dire à tout le monde, reculez, reculez. Il n'y a pas un receveur qui va être derrière nous. Il ne faudrait pas que ça ressemble au jeu entre Winnipeg et Edmonton. Dernier jeu du match, la passe complétée à Milt Stegall. J'ai ma réponse tout de suite, David. Formation victoire du côté. Et là, j'appelle ça... C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné, mais c'est tout simplement pour mettre le genou au sol.
C'est quand le carrière met le genou au sol et il y a deux joueurs rapides derrière lui, tout d'un coup, qu'il y aurait un problème. On a Pellerin, on a Berriot qui sont là comme des maraudeurs. Alors voilà, on a écoulé les deux dernières secondes du deuxième quart. C'est 10 à 8 en faveur des Carabins. On retrouve tout de suite José Turmel. Oui, je suis accompagné de Marc Santerre. Monsieur Santerre, c'est très, très serré. Beaucoup trop serré. Autant pour nous que pour eux. Je pense qu'on aimerait mieux qu'il y ait un petit peu plus d'espace entre le pointage. Mais ça va. À date, on voit deux bonnes équipes. Il y a beaucoup de revirements, ça, par exemple. Ça me surprend beaucoup. Vraiment beaucoup de punitions aussi. Aussi. Puis je pense que les punitions, ça fait un peu partie du type de match qu'on a aujourd'hui. Mais les revirements, ça m'étonne. C'est deux équipes qui sont bien préparées. Alors il faudrait qu'on... Nous, on ne part. En tout cas, on va revenir à du jeu plus solide. La stratégie change-t-elle pour la deuxième demi? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Bonne fin de match. Merci. On va faire une courte pause. Vous regardez le football universitaire Budweiser sur RDS. Le jeu par excellence du match vous est présenté par Sport Excellence. Alors, notre jeu par excellence est survenu au premier quart. Jonathan Jaudoin qui repère le rapide Yves Berriot. Berriot se défait de quelques joueurs du Rouge et Or et gagne 75 verges pour inscrire le seul touché du match jusqu'à présent. C'était donc notre jeu par excellence qui vous est présenté par Sport Excellence. Voici maintenant les statistiques à la mi-temps, une présentation de General Motors du Canada. Les Carabins ont déjà franchi le plateau des 200 verges au total, dont 145 par la passe. C'est presque semblable du côté du Rouge et Or, du moins par la passe. 132 pour Benoît Groulx, mais seulement 35 verges au sol. Et bien sûr, ce qui a retenu l'attention en début de rencontre, tous ces revirements, des interceptions, des échappées, perte de ballon sur un troisième essai. Voilà donc pourquoi on se retrouve avec 5 revirements jusqu'à présent. On retourne tout de suite à José Turmel. Alors, je suis en compagnie de Justin Étier du Rouge et Or. Justin, c'est assez serré, un peu pas mal stressant. Oui, on s'attendait à ça. Je pense qu'encore une fois, là, à chaque année, on s'attend à une grosse équipe de Montréal cette année. Donc, au niveau du stress, ça, c'est pas vraiment un problème. On s'y attendait, donc on est prêt pour ça. Au niveau de ce qui se passe présentement, c'est sûr qu'on pense qu'on a manqué des belles opportunités. Donc, on espère être capable de limiter les erreurs en deuxième demi. Puis c'est certain qu'on on a manqué des belles occasions de faire d'avancer le ballon, mais ça, c'est normal. On est jeune sur la ligne à l'attaque, puis ça, il va falloir être patient un peu avec ça. La ligne défensive des Carabins est aussi assez imperméable, difficile à percer. Ah oui, puis ça, on le savait. On savait qu'il y avait des très bons joueurs sur ce front-là. Donc, on savait qu'on avait du travail aujourd'hui. On en était conscient. Puis quand une fois, il reste encore une demi, on est confiant qu'on peut... Je pense que les deux dernières poussées offensives vont être encourageantes. Donc, on va voir ce que ça va donner en deuxième demi. Bien, merci, bonne fin de match. Merci beaucoup. Alors, de retour à vous, David et Pierre. Merci beaucoup, José. Alors, de bons commentaires de la part de Justin Étier, qui reconnaît le mérite des Carabins, qui ont été vraiment fort efficaces, notamment en défense. Alors, l'an dernier, les deux équipes se sont affrontées 3 fois. Le Rouge et Or a mérité 3 victoires. Et on remonte en 2004, alors que les Carabins étaient de passage ici au stade du Peps. Et on a vu cette longue passe saisie par Olivier Pellerin, touchée pour les Carabins. Et Yves Berriot, toujours très spectaculaire, toujours très rapide, a effectué un bon retour de beauté. Berriot s'est rendu jusque dans la zone des buts pour inscrire un touché. Et les joueurs des Carabins qui ont mérité une rare victoire. Et il y avait un homme bien content chez les Carabins, l'ancien entraîneur-chef Jacques Dussault. Alors, une rivalité à sens unique, bien sûr, puisqu'en 2005, comme je le mentionnais, le Rouge et Or a d'abord mérité une victoire de 24-12 à Montréal. Par la suite, à Québec, ce fut une rencontre sans équivoque, tout à l'avantage des membres lavallois, victoire de 54-7. Et en finale de la Coupe Dunsmore, le Rouge et Or a mérité une victoire, mais disons-le, bien difficile, de 19-13. Alors, la seule victoire de Montréal est survenue ici même en septembre 2004, victoire de 14-13. Et en 2005, il faut dire que c'est jamais facile de battre la même équipe 3 fois dans une saison.
Ça, c'est pas dur pour les joueurs, c'est dur pour les entraîneurs. Parce qu'à un moment donné, tu dis, bon, on a fait ça le premier match, on a changé ça le deuxième match, on revient... Là, qu'est-ce qu'on va faire pour les battre? Et des fois, les entraîneurs se truquent eux-mêmes. Au lieu de revenir à des choses qui ont marché, parce qu'on se dit que l'adversaire va corriger les lacunes. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est ça. On se mêle nous-mêmes, les entraîneurs. On veut apporter de nouvelles affaires. Oh non, ça, on a fait ça le dernier match, donc ça, ils vont nous connaître. On va faire d'autres choses. Des fois, il faut que tu sois capable de dire, regarde, je vais prendre mes meilleurs contre leurs meilleurs, puis je pense que mes meilleurs peuvent jouer mieux que leurs meilleurs. Des fois, c'est pas compliqué. Ben non. Et c'est ça qui arrive. Quand on joue trois fois contre la même équipe, les entraîneurs ont tendance à se dire là, qu'ils font encore des plans de match plus élaborés que d'habitude. Alors, les spectateurs, vous les voyez depuis le début du match. Auront-ils la chance de célébrer davantage ces jeunes partisans? On le verra bien d'ici la fin de la rencontre. Le Rouge et Or qui n'a marqué que 8 points jusqu'à présent. 10 points pour les Carabins. Les joueurs des Carabins qui ont mis quelques minutes avant de se présenter sur le terrain. Mais on sera en mesure d'entreprendre cette deuxième demi dans quelques minutes seulement. Alors, je vois d'ailleurs que certains joueurs du Rouge et Or ont déjà pris place sur le terrain. Donc, le Rouge et Or qui recevra le boté de reprise... Le boté de reprise vous est présenté par les croustilles Yum Yum, le sac du match. Yum Yum, c'est le fun! Alors voilà, les joueurs des Carabins qui s'amènent sur le terrain pour effectuer ce boté d'envoi du troisième quart. C'est Jean-Luc Lamarche qui s'exécutera. Jenny Bilodeau, demande à la temps d'information. Jenny Bilodeau. Donc, le Rouge et Or qui débutera le troisième quart avec le ballon, avec le vent. Pourra-t-il en profiter? À l'autre bout, deux joueurs sont là pour effectuer le retour et c'est Dwayne John qui saisit le ballon. John qui est toujours debout, court très bien. Il est frappé au 41-42. Il y avait Carl Farah-Lajoie qui était là notamment pour effectuer le plaqué. Et également, le numéro 52, Josh Jesse, une recrue. Donc, bon positionnement sur le terrain pour l'unité offensive de Justin Thier. Rougeard qui débutera sa séquence à la ligne, la propre ligne de 42. 9 fois, ils ont eu le ballon en attaque. 2 revirements, 2 votés de précision, 5 dégagements. Donc, évidemment, ça n'a pas été facile. Mais ça, c'est du côté des deux attaques. Il faut vraiment... dire que les unités défensives ont été très coriaces. Oh oui. Alors, premier essai et 10 au 42. La remise à Pierre-Luc Yao. Et Yao, on vient le faucher derrière la ligne de mêlée ou en fait quelques verges après la ligne de mêlée. Alors, encore une fois, bon travail en défense. Oui. Et bonne nouvelle pour le Rouge et Or parce que Luc Brodeur, qui avait été était resté au sol après une séquence, est de retour à son poste de garde du côté droit, le 68. On voit les statistiques de Benoît Gou, 11 en 17, 132 verges, aucune passe de toucher, mais aucune interception. Yao a gagné 2 verges sur le dernier jeu, deuxième et 8. On est au 44. Roux. Regarde du côté gauche et la passe est un peu trop courte pour Matthew Leblanc. Non, dommage, Leblanc qui avait fait un tracé en boucle, était bien positionné. S'est assuré d'avoir gagné assez de terrain, mais la passe qui a manqué de force. Et je regardais du côté des demi-coins des Carabins. On joue très agressivement, on a des bons athlètes. Je regardais la recrue, le numéro 19, Hamid Mahmoudi, qui était... couverture homme à homme à la ligne d'engagement, dans le visage du receveur, en voulant dire, regarde là, il va falloir que tu fasses tout un tracé de passe pour créer de la séparation. Botté de dégagement, un autre pour Mathieu Parent. À l'autre bout, attention, Yves Berriot. Il a effectué très peu de retours de retour depuis le début du match. Et Berriot saisit à sa ligne de 31. Tricote un peu, doit revenir à l'arrière pour tenter de se défaire de quelques joueurs du Rouge et Or. Et wow! Superbe réaction, très rapide. Pierre-Luc Yao qui vient frapper Yves Berriot et ce, à la ligne de 21, ou plutôt de 31. Alors, travail de Marc-André Arcroise qui étire le retour de Berriot. Et quel angle de poursuite de Pierre-Luc Yao. Donc, joueur rapide, hein? Il faut que tu essaies de prévoir où le point de rencontre va être. Donc, les angles de poursuite
Il faut que ça soit excellent. Ah oui. Et ça, c'est le fun. Quand tu vois ton porteur de ballon numéro 1 qui se défonce les unités spéciales, ça envoie le message à tout le monde. Tu peux pas relaxer. Tout le monde donne le maximum à chaque jeu. Premier et 10 au 30. La remise à Joseph Morouet. Et Morouet se rend jusqu'au 33 après un gain de 3 verges. C'est du côté défensif du Rouge et Or. Quand on regarde la première demi, pas une mauvaise demi. Non. À fond, Glenn Constantin a probablement dit, regardez, ils nous ont battus sur un jeu. Un jeu de 75 verges, oui, c'est un touché. Mais dans ce temps-là, tu reprends un pas de recul et tu te dis, il ne faut pas tout chambouler. Là. Ils ont eu sur un gros jeu, donc on continue notre bon travail. On essaie de resserrer des corridors de course, réussir nos plaqués. Deuxième essai pour les Carabins. Jodoin accepte la remise de Stéphane Turner. La passe... Est-ce qu'elle est écartée? Non. Alors, quand même un très bel effort du receveur de passe Gilbert Grenier sur cette séquence, mais le ballon qui a touché au sol. Encore une fois, passe du côté large du terrain dans la zone courte extérieure. Donc, on accorde cette zone-là. Le rougeur, on se dit, écoutez, si vous voulez lancer là toute la journée, au moins, on sait que ça va être une courte passe. On sait que la passe va être longue. Par le fait même, on va pouvoir se rallier au point de réception. Tout le jeu va se passer devant nous. Donc, on préfère accorder ça puis mettre une attention particulière dans les autres zones du terrain. Michael Choucha effectuera le botté de dégagement. Comme d'habitude, Bisaillon et John sont à l'autre bout pour effectuer le retour. Botté qui est bien exécuté, c'est John qui saisit le ballon et John échappe. Il n'a d'autre choix que de demeurer au sol. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Nous sommes de retour à Québec où les sourires sont nombreux puisque les gens passent un très bel après-midi, superbe température, bon spectacle malgré quelques erreurs de part et d'autre. On a droit à un match bien excitant entre deux des bonnes formations de la Ligue de football universitaire du Québec. Premier et 10 au 40. Groux, fin de remise, la passe à Nicolas Bisaillon qui déborde du côté droit. Et Bisaillon qui se rend jusqu'à la ligne de 44-45 environ après un gain de 4 verges. Alors, c'est la beauté d'avoir un ancien porteur de ballon qui joue maintenant comme demi-inséré, quitte son poste de demi-inséré, s'amène sur le jeu de l'option. Donc, évidemment, ça amène toute la dimension jeu renversé, jeu à contre-courant, jeu d'option. C'est une arme de plus dans l'arsenal du Rouge et Or pour le jeu au sol. Alors, Bisaillon a gagné 5 verges, c'est donc 2e et 5. On est presque au 45. Groux jette un coup d'œil vers Dwayne John. Et John, je crois, a bien réagi dans les circonstances. Il a presque rabattu le ballon parce qu'il sentait qu'il y avait l'autre joueur des Carabins qui était tout près, Sébastien Bourassa. Ah, tout à fait, Sébastien Bourassa était devant Dwayne John et Dwayne John a dû devenir le demi-défensif. Belle réaction, rabat la passe, il le sait. Que Bourassa a une meilleure position. Et Bourassa, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, quand on regarde la défense des Carabins, Provenché, Bourassa, les deux demi-défensifs, Maxime Gagné, le maraudeur, ça, c'est le triangle trifluvien. Trois Diablos de Trois-Rivières. Donc, les demi de coin, c'est des gars du Vieux-Montréal, mais les trois autres membres de la tertiaire sont tous des Diablos. Donc, le fameux, comme je m'amuse à l'appeler, le triangle trifluvien. Autre situation de dégagement, Mathieu Perrin. Et le ballon a été bloqué, récupéré par les Carabins, par le numéro 88, Nicolas Morin-Soucy. Et c'est un touché pour les Carabins, jeu très important sur les unités spéciales. Alors, il fallait parler des joueurs des Diablos de Trois-Rivières pour qu'un autre Diablos de Trois-Rivières s'illustre. Nicolas Morin-Soucy, ailier défensif réserviste, qui est au centre. Hey, c'est pas des farces, il a battu deux joueurs pour se rendre au batteur et en plus, il recouvre l'échappée, donc tout un jeu. À lui seul, il vient de bousiller la stratégie du Rouge et Or. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donner un deuxième effort, troisième effort. A été bloqué à la ligne d'engagement, a été bloqué par un protecteur du batteur et malgré tout ça, se rend au batteur. La transformation est réussie. Les Carabins ajoutent 7 points à leur fiche. C'est maintenant 17 à 8 avec 11 minutes 5 secondes à faire au troisième quart. Alors, dès le départ,
Quel jeu fort important, et ça vient des unités spéciales. Oui, et quel effort encore, je répète, parce qu'il y avait deux gars qui ont essayé de le bloquer. Un, la ligne d'engagement. Après ça, un qui était devant le poteur. Malgré tout ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, bel effort. Et ça, je ne peux pas penser à un jeu qui jette une douche d'eau froide sur l'adversaire plus que ça. Il n'y a pas un jeu plus démoralisant dans un stade de football quand tu te fais bloquer, quand tu entends le bruit. Bon. Le ballon qui se fait bloquer, ça, c'est le son que les entraîneurs ne veulent pas entendre. Et par la suite, un bon... le ballon qui rebondit de façon favorablement. C'est le toucher. Donc ça, c'est vraiment là, un jeu qui peut scier les jambes d'une équipe. Voyons voir la force de caractère du Rouge et Or. Donc, comme Pierre le mentionnait, Morin Soucy qui évolue sur la ligne défensive, mais également au sein des unités spéciales. Et qui réussit un jeu vraiment, je me répète, mais tellement important. Botté de reprise. Le ballon est récupéré par Dwayne John. John est toujours debout, mais ne va pas vraiment plus loin. Le plaqué qui a été réussi par quelques joueurs, dont Josh Jesse, la recrue. Jesse, qui est un ancien des Cheetahs de Vanier, plutôt des Spartiates du Vieux-Montréal. Un nom. Alors, reste évidemment beaucoup de temps, oui. Mais lorsqu'on regarde, on a vu les images plutôt à la mi-temps. La dernière victoire des Carabins, la seule d'ailleurs contre le Rouge et Or, deux gros jeux. C'est vrai. Un long touché et un jeu sur les unités spéciales. Aujourd'hui, long touché de Berrio, jeu sur les unités. Alors, c'est, ça ressemble drôlement au même scénario. Par contre, là, il reste encore 11 minutes au troisième quart. On a beaucoup de temps. Il y aura certainement d'autres jeux qui pourront faire la différence. Vous avez de la suite dans les idées, M. Lecheval. Premier et 10. Fin de remise à Pierre-Luc Yao. La passe en plein centre est bien saisie par Nicolas Bisaillon. Malgré le contact, il a été en mesure de conserver le ballon. Alors, tracé à travers la formation. Bonne feinte sur le jeu. Maxime Gagné, qui avait flairé la stratégie, arrive une fraction de seconde, peut-être au tard, plaque solidement Bisaillon. C'est un gain de 21 verges pour Nicolas Bisaillon pendant qu'un joueur du Rouge et Or est sur le terrain, victime d'une blessure. Il s'agit de Michel-Pierre Pontbriand. Alors ça, c'est un élément clé. Donc, oui. Tous les joueurs partant, évidemment, mais comme je le disais plus tôt, Pontbriand qui est centre arrière, mais qui aussi peut devenir un peu le cinquième receveur. Donc, souvent, le Rouge et Or va garder Pontbriand sur le jeu. Formation deux porteurs de ballon, quatre receveurs. Allons tout de suite retrouver José. Oui, en compagnie de Nicolas. Nicolas, tout un bloqué. Thank you. Merci. Merci. Est-ce que ça a été difficile parce que tu as réussi vraiment à passer plusieurs fois? Oui, mais c'est comme je disais, c'est le scheme de bloc qui était comme ça. Je veux dire, c'était quand même facile. Tous les joueurs ont été à leur place. Puis écoutez, le coach a fait un incroyable job là-dessus. C'est un joueur défensif, c'est ton premier touché en carrière universitaire? En vie. En vie, en vraiment. Ouais, ben. C'est tout un revirement aussi pour ce match-là parce que ça donne vraiment une lancée. Oui, oui, ça va faire du bien. Là. Je vois les gens ont la tête plus haute, ça va être là. Je crois bien d'aller. Merci, bonne fin. Merci beaucoup. De retour à vous. Merci, José. Alors, on ne peut qu'être heureux pour ce jeune qui a inscrit son tout premier touché. Premier 10, Groux cherche un receveur, échappe le ballon. Et c'est récupéré par Martin Gagné. Alors, autre revirement. Et Martin Gagné, le jeune ailier défensif, qui recouvre le ballon. Alors, confusion au niveau de l'échange, ou du moins au niveau de la feinte. Et non, c'est vraiment... C'est, numéro 37, c'est Christian Houle qui lui fait perdre le ballon. Je croyais qu'il y avait eu un problème et que Groux avait échappé le ballon. La feinte est correcte. Groux veut se positionner pour lancer. Et c'est carrément le numéro 37, Christian Houle, coup de poing sur le ballon. Maxime Gagné, athlétique, qui recouvre cette échappée. Donc, autre situation fâcheuse pour le Rouge et Or. Et autre menace pour les Carabins. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Un match a été présenté vendredi soir à Montréal. Victoire des Stingers contre le Vert et Or. Et d'ailleurs, chapeau aux joueurs du Vert et Or qui se sont bien battus malgré la présence de quelques jeunes joueurs. Je sais qu'Alain Lapointe n'aime pas qu'on parle de tous ces jeunes. Mais vraiment, félicitations parce qu'on a eu droit à un très bon match serré jusqu'à la toute fin. Alors, les Carabins qui menacent, premier 10 au 30. Et la passe pour Yves Berriot est rabattue
Le jeu qui a été réalisé par Olivier Turcotte, les tourneaux. Bon, dans les circonstances, Carabin voudront profiter de ce revirement, c'est l'évidence même, mais l'unité défensive ici du Rougeard n'a pas le choix. Elle doit tenir le coup, au pire aller sur une tentative de botté. Et si jamais les Carabins vont marquer un toucher ici, ça va commencer à être une situation pas mal difficile pour le Rougeard. Donc autant d'un côté comme de l'autre, il faut profiter de l'occasion. Deuxième et 10. Jaudoin, fin de remise à Joseph Morleau. Roule à sa gauche. N'a plus d'espace et il est plaqué par Samuel Lajoie après un gain de 4 verres. Alors, Jean-Luc Lamarche s'amène sur le terrain. Dans les circonstances, là, on ne pouvait pas demander mieux à l'unité défensive des Carabins, du Rougeard. C'est dommage qu'il n'a pas vu Iberio à sa droite, parce que quand Mathieu Parent, numéro 44, est venu pour le contrer, pour le plaquer, Iberio était complètement seul. Il avait juste à lober, Jonathan Jaudoin avait juste à lober le ballon. Mais là, c'est parce qu'il est en train de sauver. Il y a des gros gars qui lui courent après, je comprends que tout va vite, mais dommage pour les Carabins sur cette séquence. Tentative de placement de 35 verges pour Jean-Luc Lamarche. Et le ballon qui passe entre les poteaux. Alors, autre placement réussi par Lamarche. Les Carabins qui prennent les devants, 20 à 8. Entre le pointage, les Carabins 20, le Rougeard 8. Alors, Lamarche qui a réussi ses deux tentatives aujourd'hui et on voit qu'il est bien content. Ah, tout à fait. C'est l'ancien secondaire de ligne qui maintenant est botteur. D'ailleurs, les entraîneurs du Carabin, il y a Denis Boisclair qui est entraîneur des botteurs, qui fait de l'excellent travail avec Michael Chicha, avec Jean-Luc Lamarche. On travaille beaucoup l'aspect technique. Ça, c'est comme un swing de golf. Hein. C'est, les botteurs, c'est. Faut pas qu'il y ait une petite hésitation. Faut pas qu'il y ait quelque chose qui part mal. S'il y a quelque chose qui part mal dans le mouvement, bien, ça va se terminer mal, comme c'est au golf. L'attaque du Rouge et Or qui reprend le ballon à la ligne de 35. Grou, receveur en plein centre. C'est Nicolas Bisaillon, frappé par Maxime Gagné. Et Bisaillon s'est rendu jusqu'à la ligne de 49. Alors, c'est un gain de 14 verges. Premier essai, Laval. On attaque le centre du terrain. On avait Bisaillon devant Maxime Gagné. Et derrière Maxime Gagné, il y avait aussi Dwayne John. Donc, on essaie d'étirer Maxime Gagné. Où tu vas aller? Si tu restes avec le receveur qui est très profond, on va lancer devant toi. Si jamais tu attaques devant toi, on peut peut-être lancer par-dessus toi. Donc, on essaie d'étirer une zone. Grou, la passe qui a été rabattue sur la ligne de mêlée. Quelques joueurs qui étaient là, qui ont levé les bras pour nuire au travail de Benoît Grou. Félix Marois-Blanchet, notamment, qui était au cœur de l'action. Non, tu sais, le joueur défensif, il essaie de battre son joueur de ligne à l'attaque, mais s'il voit qu'un carrière fait un recul de 3 pas, il y a des petits drapeaux rouges, il faut qu'il soit levé. Là. Ça veut dire que la passe va être décochée rapidement. Donc, tu sais que normalement, tu n'as pas le temps de te rendre au quart. La deuxième option, tu lèves les bras. Donc ça, c'est du football de base. C'est des petits gestes tellement importants qui peuvent faire la différence. Et comment? Deuxième et 10, au 49. Roux, la passe en plein centre. Nicolas Bisaillon était visé sur le jeu, mais je ne sais pas s'il est entré en collision avec un rival. Il a semblé être en retard ensuite sur la séquence. Oui, en plus, le Rougeard a été pris en défaut pour avoir retenu, donc il devra dégager. Et voyons voir si la protection sera meilleure pour Mathieu Parent. Il est refusé par les Carabins. Ce sera le troisième jeu, 3-10. Alors, évidemment, le Rougeard a eu beaucoup de succès avec l'attaque au sol. Le pointage commence à indiquer football de rattrapage. Donc, ça risque d'être difficile pour la ligne à l'attaque. Dégagement de Mathieu Parent. Berriot qui saisit à la ligne de 16. Et Berriot est vite accroché, notamment par Rudy Jean qui réussit le plaqué. Bonne nouvelle, le Rougeard. On a vu, c'était Pierre-Luc Yao, encore une fois, qui était plus près du plaqué. Donc, Yao qui. Je croyais que c'était fait mal plus tôt, là, avec quitté le terrain avec les soigneurs. Mais bonne nouvelle. Il donne son maximum, on l'a vu un peu plus tôt. Bon plaqué sur les unités spéciales. Et encore une fois, il se donne à fond. Alors, après ce retour de 10 verges, Yves Berriot, les Carabins qui reprennent le ballon. Ils sont à la ligne de 28.
Jaudoin accepte la remise. Fendant, Moreau, la passe en plein centre. Et c'est intercepté par Alexandre Vandest. Alors, celui qui avait réussi trois interceptions l'an dernier obtient sa toute première en 2006. Et son geste ne vole les mots de la bouche. J'allais dire, c'est le temps ou jamais pour l'unité défensive de réaliser quelque chose, de donner une chance à l'attaque de se mettre en marche. Donc, faut bon positionnement sur le terrain. Et Alexandre Vandette, c'est sûr que c'est moins intimidant que Hivercule. C'est un gars qui est moins robuste, qui va moins cogner fort. Par contre, c'est un ancien demi-point. Donc, côté couverture de passe, va amener plus de... va pouvoir patrouiller plus de terrain, il est très rapide. Et aussi, va donner une certaine flexibilité au niveau des couvertures de passe qu'on ne pouvait pas faire avec Hivercule plus tôt. Donc, on perd dans l'intimidation, mais on gagne au niveau de couverture de passe et au niveau de mélanger les couvertures, être plus flexible. Le Rouge et Or qui est maintenant en territoire des Carabins, à la ligne de 40. Groux, la passe bien complétée à Grégoire Champagne. Grégoire Champagne est rapide. Il se rend jusqu'à la ligne de 24. On retourne sur les lignes de côté avec José. Oui, je suis en compagnie d'Alexandre Vandette. Alexandre, toute une interception ici qui est importante pour le Rouge et Or. C'est sûr que là, nous autres, défensivement, là, tout est important parce que notre offensive a de la difficulté. C'est un sport d'équipe, fait que là, c'est à nous autres de faire le travail pour laisser le temps à notre offensive de revenir dedans. Fait que quand on fait une interception, là, c'est tout le temps des gros turnovers, puis c'est bon pour le momentum. Fait que je pense que c'est excellent pour nous autres. On vient de voir tout de suite un gros jeu après notre offense. Donc, merci beaucoup, bonne fin de match. Qui complète une passe à Pierre-Luc Yao, mais je vois que dans le champ arrière, on a jeté un mouchoir. Oui, on a rudoyé Martin Gagné. Et encore une fois, je reviens, il n'a pas fait mal à Ben Gros. Il a à peine effleuré, mais c'est le geste. Le corps se débarrasse du ballon. Ne lui touche même pas. Et je pense qu'il a juste donné une petite poussée. En blanc direct, je n'étais pas loin de toi, je vais te poigner la prochaine fois. Tu sais, pour rentrer dans la tête du corps arrière. Mais on a jugé que c'était trop tard. Inutile. Regardez bien dans le champ arrière. Voilà, il a poussé Gros. Donc, la passe était bel et bien décochée. Alors, cette pénalité permet aux Rouges et Or de gagner d'autres verges. On est maintenant à la ligne de 12 avec ce premier essai. Séquence offensive très importante pour le Rouge et Or. Roux roule à sa gauche. La passe vers Dwayne John. Saisi, touché, Dwayne John. Attendons, est-ce qu'il y a obstruction contre un receveur du Rouge et Or? Pressé en croisée. Voilà. Alors, la raison pour laquelle Dwayne John était libre, c'est parce qu'il y a un de ses receveurs qui est venu, comme par hasard, entrer en contact avec un demi-défensif. Et l'arbitre semble avoir décidé que c'était bel et bien de l'obstruction. Contact illégal! La balle, premier à commencer. Voilà. Alors, tout est à recommencer pour l'attaque dirigée par Justin Étienne. On recule maintenant de 10 verges. On est à la ligne de 22. Premier et 20. Alors la pénalité annule le toucher. Premier et 20. Roux. La remise dans le champ arrière. On se rend jusqu'à la ligne de 20 après un gain de 2 verges. Le ballon qui a été remis à Nicolas Bisaillon. Bisaillon qui revient à la dernière seconde dans le champ arrière. Et le premier essai est 20 verges. On se dit, bon, l'adversaire devrait s'attendre à un jeu aérien. On va essayer de surprendre avec un jeu d'attiré. Les Carabins étaient prêts pour cette tactique. Alors, deuxième et 17. On amène d'autres joueurs chez les Carabins en défense, notamment Nicolas Morin-Soucy et Mathieu Brossard. Roux. Cherche un receveur, la passe vers Samuel Grégoire Champagne. Bien capté et c'est un touché. Samuel Grégoire Champagne. Alors, faut pas compliquer, chapeau à l'unité offensive parce que ça allait vraiment pas bien. Touché annulé, on revient. Situation de deuxième essai. Il touche une perte, 17 perte. On marque un touché et on vient de voir. Regardez bien le numéro 2 au bas de l'écran, Maxime Gagné, il est tout près de l'action, il la lit l'action. Mais la passe est tellement bien levée, elle est haute, et Champagne, grand receveur, 6 pieds 5,
profite de son gabarit et capte le ballon à son plus haut point et s'assure de rester à l'intérieur de la zone de but. Donc, excellent jeu. La transformation est réussie. L'écart est réduit à 5 points. C'est 20 à 15 Montréal. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Grâce au grand receveur de passe Samuel Grégoire Champagne, le Rouge et Or est de retour dans le match. Alors, la protection était bonne. Ça permet à Benoît Groulx d'y aller avec un bel élan, une bonne technique. Et les mains sûres du docteur. Les mains du chirurgien. Et là, de reprise, Pierre. Excuse-moi, David, mais là, en plus, ça remet la foule dans le match. Et voilà. Il avait été plutôt tranquille. Hans Boursicot saisit le ballon à la ligne de 14. Boursicot est toujours debout, effectue un excellent de retour. Il est arrêté à la ligne de 36. Alors, effectivement, la foule qui était très silencieuse est maintenant de retour dans le match, très bruyante, et c'est parfait pour le spectacle. Hein? Oui, ah oui, dommage pour Boursicot. Je crois qu'il y a un bloc illégal contre les Carabins. Donc, oui, voilà, on a retenu. Donc, tout ça pour rien. Et le joueur qui est resté au sol, Nicolas Trudeau. Semble en douleur. Et revenons à l'unité défensive. On a entendu Alexandre Vandel qui a dit écoutez, il faut prendre les choses en main parce que. Montréal! Parce qu'on voit que notre attaque avait besoin d'aide. Mais l'unité, tu as soulevé le point pendant la pause commerciale. Lorsque Groulx a échappé le ballon, l'unité défensive se lève, accorde 3 points. Ça, c'était correct. Ils n'ont rien accordé de plus. Deux séries qui suivent, interception de Vandette. Par la suite, l'attaque va marquer un toucher. Donc, l'unité défensive du Rouge et Or là, qui a pris les choses en main, c'est vrai, depuis les deux dernières séquences et qui permet à l'équipe, du moins à l'attaque, de revenir, de regagner cette confiance. On va y voir si l'unité à l'attaque des Carabins pourra essayer d'aller rechercher un petit peu ce momentum. Et trouver des solutions. C'est vrai, parce que si les Carabins inscrivent un toucher, c'est 24 à 8. L'écart est plus grand. Sans doute que c'est un jeu comme le jeu réalisé par Morin Soucy sur les unités spéciales qui aurait été comme une espèce de touche d'eau froide, si vous me permettez ce toucher. Tout à fait, oh oui. Parce qu'on aurait parlé d'un pointage de 24 à 8. Et le fait que, maintenant, c'est 20 à 15, donc on voit que c'est seulement un écart de 5 points. Et tout d'un coup, tout le livre de jeu revient dans l'arsenal du Rouge et Or parce qu'à un moment donné, si on perd par trop de points, on joue du football de rattrapage. On va commencer à manquer de temps. Il va falloir marquer sur plus qu'une possession. Et là, tout d'un coup, on devient unidimensionnel. Et là, on sait qu'on a un front défensif excellent du côté des Carabins. Une jeune ligne à l'attaque. Ça aurait été une position, une situation de surcharge pour la ligne du Rouge et Or. Premier et 10, Montréal au 19. Jodoin, la remise à Joseph Moreau. Quelle belle réaction du secondaire, Mathieu Parent. Et Parent qui réussit de plaquer, c'est une perte de terrain. Et Parent, bonne lecture et dans le corridor, mais surtout bon plaqué parce que Joseph Moreau, oui, c'est un petit vite. Un gars qui peut pivoter, c'est un gars qui peut éviter plaquer, donc plaqué solide. Et à la gauche de l'écran, vous allez voir, Parent qui va s'amener à l'intérieur du bloc de Jonathan Lapointe. Donc, il n'y a personne pour le contrer. Plaqué solide. Et ça, c'est lui qui remplace Jean-Philippe Abraham, qui est maintenant avec les Eskimos d'Edmonton. Deuxième et 11. Jodoin. La passe. C'est incomplet. Nicky Demers était près du ballon, mais la passe manquait de précision. Alors, troisième essai, Pierre. L'unité défensive du Rouge et Or qui, encore une fois, fait de l'excellent travail. 1, 2 et 3, ce sera le botté de dégagement. À moins d'une surprise, bien sûr, sur les unités spéciales, mais compte tenu de la position sur le terrain, ce serait très surprenant. Oui, et pendant qu'on voit Marc-Santerre, on a vu les statistiques. Jodoin qui n'a pas complété une de ses 5 passes depuis le début du troisième quart. On a toujours le vent dans le dos. On n'a pas utilisé beaucoup le jeu au sol pour essayer d'écouler le plus de temps possible. Michael Chouchat effectuera le botté de dégagement, son 5e aujourd'hui. Et Dwayne Jean, de même que Nicolas Bisaillon, sont là pour le retour. La remise était trop haute et le ballon qui sort finalement à l'extérieur de la zone des buts. Alors, remise qui a été effectuée par Louis-Philippe Charland, elle était un peu trop haute.
Alors maintenant, écart de 3 points, on voit la... Touchard, c'est tout un athlète, mais quand même, il fait pas 6 pieds 5. Donc... Alors ça coûte 2 points. Oui. Seulement 3 points ouais, d'écart maintenant, 20 à 17. Et là, le Rougeard a l'option de reprendre le ballon à la ligne de 35 ou de recevoir le botté dans le fond. On choisit de recevoir le botté et c'est peut-être pas une mauvaise décision parce qu'ils ont le carabin pas de contre le vent. Quand je regarde les succès des retourneurs du Rougeard sur des bottés d'envoi depuis le début du match, on pourrait peut-être aller chercher un autre beau jeu. Effectivement. Alors, je vous disais un peu plus tôt que Dwayne John et Nicolas Bisaillon étaient là pour effectuer le retour. Vous les voyez à l'instant. Ils sont postés à leur ligne de 20. Jean-Luc Lamarche. Qui s'exécutera. Il manquait un joueur chez les Carabins. Alors, Alexandre Therrien qui s'amène. Therrien qui est une recrue chez les Carabins. Un receveur de passe. La marche s'exécute, c'est Dwayne John qui va saisir le ballon après quelques bonds. On voyait que l'entonnoir vraiment se refermait et c'était très difficile pour lui de trouver un couloir. Alors, excellent botté. Aucun retour. Excellent botté de Jean-Luc Lamarche parce qu'on limite les dégâts. Aucun retour. Le Rougeard qui, dans le fond, perd au change finalement. Au lieu de reprendre à la ligne de 35, on va reprendre à la ligne de 26. Excellent botté de Jean-Luc Lamarche. Il était bien placé, ce botté. 3 minutes. 20 secondes à faire au troisième quart et on voit les statistiques de Benoît Gris. Le ballon qui a été placé à la ligne de 25 en territoire du Rouge et Or. Roux qui accepte la remise, décoche une passe en plein centre et c'est capté par Dwayne John. Ballon qui a été saisi à la ligne de 38. Alors, c'est un gain de 13 verges. Premier essai, Rouge et Or. Et le Rouge et Or qui continue d'attaquer la zone derrière les secondeurs de ligne. Devant la tertiaire, on a des gens dans le centre du terrain qui reculent beaucoup. Donc, on s'installe derrière les secondeurs de ligne. On a trouvé une petite brèche et on l'exploite. Premier et 10, Laval. Encore une fois, la passe. Cette fois, c'est complété à Samuel Grégoire Champagne. Grégoire Champagne qui a été plaqué au 45 après un gain de 8 verges. On voit sur des nouveaux joueurs sur le terrain du côté des Carabins. Maintenant, c'est Vibert qui est secondaire intérieur. Josh, Jesse, numéro 52, la recrue, est secondaire extérieur. Et on a toujours Christian Houle d'un côté. Donc, Adair Aimable qui n'est pas sur le terrain présentement. Deuxième et deux, au 45. Encore une fois la passe, mais cette fois, Grégoire Champagne n'a pu saisir le ballon. Il faut dire que la passe était décochée bien haut. Et ça me permet de dire, tu vois-tu un peu le respect que Justin Etier a pour le front défensif des Carabins? Deuxième essai, moins de trois verges, disons. Tente une passe. T'sais. De toute façon, tu pourrais courir aussi. Tu peux passer aussi. Dans le fond, tu peux passer et dire l'adversaire s'attend au jeu de course, donc je vais passer. Mais ça se demandait si, tu sais, à un moment donné, tu vois ce qui se passe pendant le match. Et ça fait en sorte que tu prends des décisions différentes vers la fin du match. Botté de dégagement qui bondit devant Berriot. Berriot qui part de sa ligne de 19. Il est frappé. Superbe réaction d'Alexandre Edmé. Alors, perte de terrain sur ce retour. Mais je vois par contre qu'il y a un mouchoir à la ligne de 50. Alors, quelle équipe sera prise en défaut? On a retenu contre les Carabins. Alors, le côté qui a franchi 45 verges et sur le jeu, Berriot a perdu 7 verges. On voit Berriot qui cherche, qui veut perdre du terrain. En fait, ça, on voit souvent les retourneurs, et ça, c'est l'expression « perdre du terrain pour gagner de la position ». Et souvent, on voit des retourneurs qui, une fois qu'ils débordent le premier joueur, et là, il y a un méchant... La tenue! Montréal! ...terrain devant eux, là, ça peut courir, faire de longs terrains, faire de longs retours, mais Edmé était là. Alors, perte de terrain, pénalité imposée aux Carabins.
11e pénalité imposée aux Carabins aujourd'hui pour des pertes de 126 verges. Le ballon qui a été placé à la ligne de 8. Depuis le début du troisième quart, les membres de l'unité défensive du Rouge et Or qui accomplissent un bon travail. On limite les dégâts. Que feront les joueurs à nouveau et que fera surtout Jonathan Jaudoin? Premier et 10. La remise dans le champ arrière et le porteur de ballon ne va pas tellement loin. Joseph Monroy qui a capté cette remise. Et ce qu'on fait présentement du côté du Rouge et Or, on déploie beaucoup de joueurs à l'extérieur du front défensif pour dire à Jaudoin, écoute, on va les surveiller tes receveurs, donc tu vas devoir appeler un jeu au sol. Mais à la dernière seconde, on voit des blitz des demi-défensifs qui arrivent. Donc on voit les verges au troisième quart, 4 pour l'unité offensive de Montréal, 107 pour Laval. Aucun gain sur le dernier jeu. Deuxième essai. Jaudoin, la passe, elle est haute et elle est interceptée. Interception par Olivier Turcotte, les tourneaux. C'est une recrue chez le Rouge et Or, mais Pierre, je remarque, oui, dans la zone début, mouchoir, il y a des joueurs qui ont été frappés solidement. Alors, est-ce que c'est Jaudoin qui est resté au sol? Est-ce qu'on a rudoyé Jonathan Jaudoin? Alors, voyons voir quelle sera l'issue. Pénalité coûteuse. Oui. Alors, le jeune Turcotte, les tourneaux qui devra attendre avant de réussir sa première interception dans les rangs universitaires. Cette pénalité qui vient bousiller. Alors, on cette va voir David. Performance. Il était frappé, avait décoché sa passe. Donc, si on est conséquent, on a donné la même pénalité à Martin Gagné des Carabins lorsqu'il a poussé Benoît Groulx. Donc, difficile d'argumenter contre celle-là. On voit que l'arbitre le juge de la même façon pour une équipe ou l'autre. Évidemment, Glenn Constantin peut se réjouir du résultat parce que ça sort les Carabins de leur trou là, parce qu'ils étaient profondément dans leur zone. Oui. Alors, si Jonathan Jaudoin ne peut poursuivre cette séquence offensive, on enverra sur le terrain Marc-Olivier Brouillette. Un quart recru chez les Carabins, un ancien porte-couleur des Cheetahs de Vanier qui a pris part à la dernière finale du Vol d'Or contre les Spartiates du Vieux-Montréal. Brouillette qui, l'an dernier, était qualifié comme étant le meilleur joueur élite de moins de 20 ans classé par Football Québec, c'était en 2005. On dit qu'il est très rapide, Pierre. Ouais. Et en plus, Jaudoin, qui lui est toujours sur le terrain, mais t'as Jean-François Morin-Robert, numéro 57, qui est déjà sur le banc. Ça, c'est le bloqueur du côté gauche. Lui a quitté en marchant. Bon, on voit que c'est une blessure au niveau de l'épaule. Donc, Jean-Sébastien Bernard qui s'amène dans la mêlée, numéro 66. Donc, séquence qui pourrait effectivement être coûteuse pour les Carabins en raison de ces deux joueurs clés qui sont tombés au combat. On va faire une courte pause. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Marc-Olivier Brouillette qui effectuera ses débuts dans les rangs universitaires canadiens. Un ancien des Cheetahs de Vanier en remplacement de Jonathan Jaudoin qui vient à peine de se relever. Et qu'est-ce que tu fais? Carrière recrue, premier match, est-ce que tu fais feinte de course pour que tu lances une bombe à Berrio et tu surprends tout le monde? Oh! Ou tu joues conservateur? Voyons voir. Premier et 10 au 22. Fin de remise. Brouillette qui court, porte bien le ballon et sort en touche après avoir gagné le premier jeu ou peut-être 9 verges. On avait deviné la première partie du jeu à fin de course. Non, mais ça, c'est ce que j'appelle des classiques dans le football. Hein. Quand tu vois un carrière recrue qui s'amène, tu dis, bon, ben, OK, c'est facile, on va y aller avec des courses de Joseph Moroé. Et c'est là que tu sers de l'appât de Joseph Moroé et que tu tentes la grosse bombe, la passe, le gros jeu. Il est allé du côté de Berriot, mais Berriot était surveillé, c'est de courir. Deuxième essai, deux verges à gagner. Brouillette qui a obtenu 8 verges sur la dernière course. Brouillette, la remise à Joseph Morin, mais vous avez vu, encore une fois, Mathieu Parent plaqué solide, rapide, perte de terrain. Mathieu Parent qui, encore une fois, profite de son alignement. Et les gars devant lui qui
absorbe tous les bloqueurs et Parent, lui, se faufile dans le corridor de course, n'est jamais bloqué. C'est la fin du troisième quart. Montréal allait devant 20 à 17 contre Laval. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Jetons un coup d'œil aux statistiques après trois quarts qui vous sont présentés par General Motors du Canada. Alors, c'est un troisième quart tout à l'avantage du Rouge et Or. 274 verges au total contre 215 pour les Carabins. Je vous souligne qu'après les deux premiers quarts, ce sont les Carabins qui avaient l'avantage. Là où le Rouge et Or n'a pas dominé au troisième quart, c'est qu'il a commis, il a été victime de deux revirements, deux gros revirements qui ont coupé petit point. Et là, Pierre, la fin du troisième quart est arrivée au bon moment pour les Carabins qui se retrouvent, qui changent de côté sur le terrain. Et qu'est-ce que ça signifie? Oui, tout à fait. Là, Michael Chucha pourra profiter du vent. Donc, le vent est derrière lui, donc pourra, souhaitons-le pour lui, connaître une meilleure beauté de dégagement. Donc, des fois, tu peux mettre le ballon un petit peu plus haut et laisser le vent, là, tout simplement, le transporter plus loin. Chucha qui va s'exécuter doit capter une remise qui était haute. Et le botté est raté, disons-le. Il bondit au centre du terrain et sort en touche. Alors, aucun retour sur le jeu. Oui, dans les circonstances... Déjà, quand la remise est mauvaise, voilà. je sais que les techniquement, les batteurs doivent pratiquer ça. T'sais, les remises ne seront pas toujours parfaites. Donc, pratique des mauvaises remises dans les entraînements pour que tu ne paniques pas pendant les matchs. Mais c'est sûr que ça te sort de ta zone. T'sais, ça te sort de ton cylindre. Donc, il faut que tu reviennes, tu reprends le ballon, tu essaies de retrouver tes pas, et ça donne le résultat. Donc, la mauvaise remise a vraiment provoqué ce mauvais botté. Alors, ce sera premier essai et diverge. Le Rouge et Or est déjà en territoire montréalais. La remise au porteur de ballon, et on se rend jusqu'à la ligne de 45 après un gain de 7 verges. C'est Pierre-Luc Yao qui a porté le ballon. Alors, Benoît Gros qui fait une feinte de s'en aller vers sa droite, comme si sa zone de protection allait bouger. Il remet à contre-courant à Pierre-Luc Yao, trouve un bon corridor et, encore une fois, bonne décision. Yao voit que le jeune Josh Jesse est là, donc décide de baisser son épaule, foncer vers l'avant et va gagner quelques verges supplémentaires. Un gain de 7 verges pour Yao, deuxième et 3. On est maintenant au 45. Roux qui accepte la remise un peu haute. La passe est complétée en plein centre à Dwayne John qui jongle et garde possession du ballon. Superbe. On est arrêté au 29. C'est un autre premier essai pour le Rouge et Or. Et je crois que John est resté et à la toute fin, Benoît Gros s'est fait frapper. L'arbitre avait la main sur son mouchoir, mais décide de conserver le mouchoir dans sa poche. On va voir, je pense que c'est Félix Marois-Blanchet avec une belle technique à l'intérieur qui... Bien poussé, Gros. Élève les bras en disant... C'est parce que des fois, il faut faire attention, les gars. Levez pas les bras, parce que là, vous avez l'air coupable. Pourquoi vous levez les bras? Vous venez de faire de quoi de pas correct? Mais dans le fond, c'est que tu essaies de pas faire voir le plus possible. Alors, pendant que Dwayne John reçoit les traitements des physiothérapeutes, on va faire une courte pause. C'est 20 à 17, Montréal. 142. Nous sommes de retour à Québec avec 13 minutes 37 secondes à faire au quatrième quart et Dwayne John qui a été victime d'une blessure à la cheville droite. On regarde le jeu, Pierre. Oui, donc regardez sa cheville droite qui subit le choc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a quitté le terrain au jogging. C'est vrai. Donc on va tout simplement ré-enrubaner la cheville. Il va être de retour. Matthew Leblanc qui saisit la passe de Benoît Gros. On se rend jusqu'à la ligne de 25 après un gain de 3 verges. Ce sera donc deuxième et 7, Laval. Je vois toutefois qu'il y a un mouchoir profondément en territoire des Carabins. Alors, on a retenu du côté du Rouge et Or. Donc, premier essai est 20. Oui. Regarde du côté de Saint-Cyr, la prochaine tactique. Et Benoît Gros, qui vient mêler les données, là, c'est qu'il a tellement bien fait l'an dernier que des fois, les gens ne faudraient pas être trop sévères parce que ça reste que c'est un joueur de deuxième année. Il ne faut pas oublier ça. Là. Et il entreprend sa première saison vraiment. C'est lui qui est au poste de quart partant.
pour le premier match de la saison. Je pense que l'an dernier, c'est William Leclerc qui était là. Donc, il fait pas beaucoup, oui, c'est ça. Il fait pas beaucoup d'erreurs, mais c'est sûr qu'il a le droit d'en faire quelques-unes. Donc, il n'en a pas fait aujourd'hui. Mais il faut toujours garder ça en tête. C'est un gars, c'est ça qui est le fun pour le Rouge et Or. L'avenir est assuré, oui. Au poids de corps pour quelques saisons. C'est déjà une très belle maturité, très bonne tête sur les épaules, mais c'est vrai, il a besoin encore de gagner un peu d'expérience. Alors, on recule de 10 verges en raison de cette pénalité. Premier et 20, on est à la ligne de 38. Quatre receveurs se retrouvent du côté large du terrain. Samuel Grégoire Champagne est le seul receveur du côté court. Et dans le champ arrière, Pierre-Luc Yao. Alors, on a un problème avec le cadran des 20 secondes. On sait qu'il y a 20 secondes entre les jeux. Là, le cadran, le décompte n'a pas débuté. Alors, on va sans doute tenter d'ajouter quelques secondes également au tableau indicateur. On m'indique que peut-être 3 secondes se sont écoulées. Alors, présentement, on indique au tableau 13 minutes et 15 secondes à écouler. On va peut-être ajouter quelques secondes. Alors, non. Le temps qui demeure à 13 et 15 secondes. Alors, remise à Pierre-Luc Yao qui doit effectuer quelques pas de danse pour gagner quelques verges de plus. Alors, on est en situation 1er et 20. C'est un gain de 7 verges pour Pierre-Luc Yao. Il y a encore Yao qui sort un lapin de son chapeau parce qu'il y avait encore un joueur des Carabins qui était près de lui, mais réussi à l'éviter. Il va quand même gagner près de 7 verges. Mm-hmm. On voit qu'on fait une rotation au niveau des joueurs défensifs. On a Nicolas Morin-Soucy qui est là, Jean-Nicolas Gervais qui est là. Donc, on veut avoir des forces fraîches. Unité défensive qui passe beaucoup de temps sur le terrain. Deuxième et 13 au 31. Vous entendez les sifflets. Alors, pénalité qui sera sans doute imposée au Carabin, je crois. Normalement, lorsqu'on arrête le jeu, ça peut aller du côté de la procédure inadmissible, voilà. Mais les Carabins qui l'ont provoqué, cette procédure inadmissible, parce qu'il y a permutation des joueurs de ligne. Des joueurs des secondaires se sont amenés pour le blitz. Et il y a des joueurs de ligne qui ont été nerveux un petit peu. Et ça ne prend pas grand-chose, hein? Juste un petit mouvement de la main. Onze pénalités imposées à chaque formation depuis le début de la rencontre, mais les pénalités ont été plus coûteuses pour les Carabins en termes de verges. Roux roule à sa droite. La passe complétée à Dwayne John. John qui est de retour sur le terrain malgré cette blessure à la cheville droite subie il y a quelques minutes. On avait besoin de 18 verges. C'est un gain de 9. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce gain peut remettre le Rougeard dans une situation où on peut tenter le botté de précision. Parce qu'on s'était carrément sorti des jeux négatifs. On se sort de la d'où on va tenter un botté de précision. Mais maintenant, avec ce gain, on peut ramener Cameron Takis, le botteur numéro 77. Donc, il pourra tenter un botté de 30 verges. Alors, John a gagné 12 verges sur la dernière séquence, mais Takis est là pour effectuer le botté de précision. Et non, le ballon qui passe à l'extérieur des poteaux. Et Yves Berriot, qui est plaqué dans la zone des buts, tentait d'y sortir. Et le plaqué qui a été réalisé par Pierre-Luc Yao, encore une fois, il est toujours au cœur de l'action. 18, Montréal. Alors, un point. Oui. Par contre, les Carabins reprendront le ballon à la ligne de 35. C'est maintenant 20 à 18 Montréal. 11 minutes 33 à écouler au quatrième quart. La tentative de placement de 29 verges a été ratée par Cameron Takis. Il est toujours très survolté, de la bonne humeur dans les gradins, toujours très agréable d'assister à un match ici. Au poste de quart, Marc-Olivier Brouillette. Je vous rappelle que Jonathan Jaudoin n'a pas été en mesure de compléter la dernière série offensive après avoir été frappé durement. La recrue Brouillette au poste de quart, 1er et 10 au 35. Remise dans le champ arrière à Joseph Monroy. Monroy qui est arrêté après un gain de 3 ou 4 verges. Éric Baranda au plaqué.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Rougeur. Miranda qui revient dans la formation. On sait que l'an dernier a manqué toute la saison. Une blessure à l'abdomen. On croyait qu'il allait revenir à son poste de secondeur intérieur. Des problèmes pour certains joueurs au niveau académique. On fait en sorte qu'on demande à Miranda d'aller jouer à l'extérieur. Évidemment, un gars d'équipe comme lui, pas de problème. J'ai déjà joué là. J'étais en forme, j'ai perdu du poids. Alors, après un gain de 3 verges, deuxième essai pour les Carabins, la remise qui était basse. Brouillette qui, malgré tout, parvient à décocher une passe. Et ça a été touché par Michael Choucha, mais je vois qu'Alexandre Vendette également était tout près dans le but de peut-être réussir l'interception. Troisième jeu. Non, Vendette, beaucoup d'expérience, hein, ça, un demi, un maraudeur, c'est le gars qu'il faut qu'il regarde la formation. Bon, l'espace entre les receveurs, combien de receveurs à droite, combien à gauche. Donc, il doit tout digérer ça. Et c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, cinquième année, donc il était bien positionné. Il y avait Vincent Gagné qui était tout près aussi, donc... Michael Choucha qui a maintenu une moyenne de 37 verges par botté de dégagement. L'an dernier, cette moyenne s'élevait à 38 verges, alors... poursuit son bon travail. À l'autre bout, deux joueurs sont là, à la ligne de 29 et 27. Dwayne John, de même que Nicolas Bisaillon. Et John doit reculer jusqu'à sa ligne de 20. Revient au centre, mais il est frappé par quelques joueurs en blanc. Vous avez vu, hein, ils étaient là, tout autour du joueur. Plaqué qui a notamment été réussi par Mathieu Brossard. Alors, un botté qui a franchi 52 verges. Aucun gain sur le retour pour Dwayne John. Une chose certaine, c'est pas mal le fun d'avoir une belle rivalité comme oui. Ça. C'est sûr que toute comparaison est boiteuse, mais on est en train d'installer une rivalité. Là, je regardais encore le football américain hier. Je regardais Ohio contre Texas. Mais quand on parle d'Ohio, c'est l'entraîneur, là, Jim Tressel, qui est là, il dit... Quand il est arrivé, la première chose qu'il a dit à Ohio, c'est dit qu'il faut battre Michigan. Tu sais, parce que c'est la grosse rivalité. Oui. Quand Lovie Smith est arrivé aux Bears de Chicago, la première affaire qu'il a dit, c'est de garder le dossier fin de saison, c'est beau, mais il faut battre les Packers de Green Bay. Donc, c'est ça qui est le fun. Et évidemment, les deux équipes ici, quand tu commences la saison, tu te gardes, là, Laval, il dit, il faut battre les Carabins. Les Carabins disent, il faut absolument battre le Rouge et Or. Donc, en train d'installer une belle rivalité. Alors, toute notre équipe de production a passé la dernière nuit au Château Bonne-Entente, l'hôtel Champêtre par excellence à Québec. Alors, j'en profite bien sûr pour remercier tout le personnel qui nous a réservé un accueil vraiment chaleureux. Nous avons vraiment passé une très belle nuit au Château Bonne-Entente. Quelques joueurs sont toujours sur le terrain, ennuyés par des blessures. Je vois Yves Berriot sur les lignes de côté qui est examiné. Il y a également un joueur du Rouge et Or qui était sur le terrain. C'est Alexandre Vendette qui a mis quelques minutes avant de se relever. Lui aussi, il a été examiné par les physiothérapeutes de l'équipe. Alors, comme le match de vendredi entre Sherbrooke et Concordia, match chaudement disputé. Oui. Les défenses coriaces, les revirements de part et d'autre. On va voir, il reste 10 minutes, quelle équipe sera faire preuve de la meilleure exécution. Premier essai pour Benoît Groulx et le Rouge et Or. L'équipe est postée à la ligne de 21. La remise, fin de remise plutôt, et c'est l'option pour Nicolas Bisaillon qui échappe le ballon. Et c'est repris, je crois, par Benoît Groulx tout de suite. Et on a dû faire vite parce que Christian Houle, le secondeur, était là dans le but de récupérer le ballon. Et ce qui est dangereux de ce jeu-là, c'est que la passe est vers l'arrière. Donc, si jamais on perd le ballon et les Carabins recouvrent ce ballon, c'est un échappé recouvré pour les Bleus. Alors, on a perdu 5-6 verges sur le dernier jeu et on revoit justement. Fin à Yao pour attirer la ligne défensive. Par la suite, encore une fois, Bisaillon qui revient. Mais la passe était derrière lui. Deuxième et 16. Au 15. Roux court vers sa droite, cherche un receveur. La passe, elle est haute et longue pour Samuel Grégoire Champagne, qui était bien surveillé. Il y avait notamment Sébastien Bourassa et Jerry Ralph Jules.
Grégoire Champagne qui est plutôt à marquer un touché. Il passe de 20 verges qui réduisait le pointage à seulement 5 points. C'était à ce moment 20 à 15. C'est maintenant 20 à 18. Alors, les unités spéciales du Rouge et Or qui s'amènent sur le terrain. Mathieu Parent a connu un match fort occupé, non seulement en défense, mais également sur les unités spéciales. Il effectuera un botté dégagement, son 9e déjà. Et Nicky Demers est le seul joueur des Carabins posté à la ligne de 50 en territoire de Laval. Le ballon qui bondit devant Demers, et Demers n'a d'autre choix que de sortir en touche à la ligne de 45. Et je vois que tout de suite, on achète un mouchoir sur le terrain. On a le non-respect des municipaux du côté du Rouge et Or. Voyons voir quelle sera la décision. Est-ce que ça va être 5 ou 15 verges? Et maintenant, on a adopté le même règlement. On a adopté le même règlement que de la Ligue canadienne. Donc, avant, lorsque le ballon touchait au sol, c'était automatiquement 5 verges. On va donner des verges. Laval! Oui, alors très, très belle foule aujourd'hui, Pierre, pardonnez-moi. Un peu plus de 18 000 spectateurs. Ah, oui. Toujours une belle foule au match d'ouverture. Donc 15 verges. Oui. Donc on a jugé que les joueurs de Rouge et Or n'ont pas fait l'effort de se retirer du cercle de protection. Alors on est à la ligne de 32. Remis. Oh! Superbe et solide plaqué. Oh, oh, oh. Wow! Très bien fait. Et regardez qui était là. Mathieu Parent. Troisième plaqué pour des pertes de Mathieu Parent depuis le début du troisième quart. Et de toute évidence, on n'a pas encore trouvé une solution pour bloquer le 44. Pierre, on revoit et écoutez bien. Alors, encore une fois, il trouve une brèche. Ouais. Il s'amène dans le champ arrière sans être ralenti. Deuxième et 13. Rouillette, petite passe lobée et c'est destiné à Dominique Chamberlain-Pinto. La recrue chez les Carabins, je crois que c'est lui qui avait porté le ballon sur le jeu précédent et là, on avait besoin de 13 verges. Et qui d'autre sur le plaqué? Mathieu Parent. Donc ça, c'est un gars qui a des grosses pointures à remplir, hein, parce qu'il remplace Jean-Philippe Abraham et connaît toute une deuxième demi. Oh oui. Très impliqué en défense sur les unités spéciales. Va vraiment au contact, toujours solide. Les Carabins, qui on croyait qu'ils étaient en position de peut-être tenter un botté de placement. Mais là, des jeux négatifs par-dessus jeux négatifs, on est forcé maintenant d'y aller avec le botté de dégagement. Et comme c'est le cas depuis le début du match, c'est Michael Chucha qui va exécuter ce botté. Il y a un joueur qui manquait sur le terrain, je crois que c'est Adair Aimable qui s'amène. Je pense qu'on va tout simplement prendre la pénalité pour avoir trop mis de ballon, trop mis de temps avant de mettre, voilà, le ballon au jeu. On va se regrouper parce que c'est pas le temps d'avoir un botté bloqué du côté des Carabins. On voit Jean-Vincent Posier-Audette, ancien Rouge et Or, qui maintenant s'occupe des unités spéciales. Chez les Carabins. Oui. Alors voilà, pénalité imposée aux Carabins. Le ballon qui est maintenant placé à la ligne de 43. Et à l'autre bout, les deux mêmes joueurs depuis le début du match pour saisir le botté de dégagement de Chucha, Dwayne John, de même que Nicolas Bisaillon. Let him go! Let him go! Très bon botté, loin, profondément dans la zone des buts. Dwayne John qui le saisit. Et John qui sera en mesure de sortir de la zone et il est entré en collision avec son coéquipier, ce qui a gêné son travail. Bien dommage. Il se rend jusqu'à la ligne de 16 et, encore une fois, oui, mouchoir dans la zone début. Ça sent le bloc. Allez, montez, dans le dos. Au stand d'information, les clés, si vous les retrouvez. Alors, on cherche deux trousseaux de clés, finalement. Dwayne John qui a effectué vous quelques bons retours aujourd'hui. Le trousseau de clés avec un cordon orange. On a vu Ron Paluzzo. Si vous les retrouvez. Il a indiqué que c'était bel et bien un bloc illégal. Un peu plus de 7 minutes à faire au quatrième quart. Deux points séparent seulement les deux formations. Alors, puisque la pénalité a eu lieu dans la zone de but, on a l'option, les Carabins. Si on les met à la ligne de 35, c'est que j'imagine qu'on a... les Carabins avaient l'option de prendre un point. Ah.
Donc, on aurait donné le point aux Carabins. Les Rougeurs reprennent le ballon à la ligne de 35. Mais là, je vois qu'on n'a pas ajouté le point. Mais je crois que c'est un simple, finalement. Oui, parce qu'on a jugé que la pénalité a eu lieu dans la zone de but. D'accord. Alors, Glenn Constantin qui est en discussion avec l'arbitre en chef. Et comme le ballon est au 35, on juge du côté des officiels que la pénalité est survenue alors que le joueur n'était pas sorti de la zone de but, donc ça devrait donner un point. J'attends le signal d'officiel. Round, is there a single point? Alors, Santa, lui aussi, se pose la question. Et même l'annonceur maison se pose la question. On n'a pas encore ajouté le point, mais ça semble être le... Alors, premier et 10, et on vous tient au courant si le point est ajouté. La remise dans le champ arrière à Pierre-Luc Yao. Martin Gagné était là pour réussir le plaqué, de même que Joss Jesse. Alors, jeu d'attirer qui finalement a attiré tous les joueurs des Carabins dans le champ arrière, donc... Yao ne pouvait absolument rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de s'assurer de protéger le ballon. Parce que... Et voilà, on a le signal de ciel, on donne un point. 21-18. On vient d'ajouter le point, finalement. Et encore, on répète, puisque la pénalité a eu lieu dans la zone de but, le retourneur n'avait pas quitté la zone de but. Les Carabins avaient l'option de prendre le point, mais le Rougeur reprenait le ballon à la ligne de 35. Le ballon qui est maintenant à la ligne de 29. C'est un deuxième essai pour le Rouge et Or. Roux cherche un receveur. La passe pour Samuel Grégoire Champagne. Et il est seul. Il a le chemin libre. Au 10, au 5. Touché, Samuel Grégoire Champagne. Et c'est ce qu'on appelle pour traduire l'expression anglaise. Il a enfilé l'aiguille. Alors, la passe qui était entre deux joueurs des Carabins, il en fallait plus, 80 verges. Wow. Et regardez bien, deux joueurs des Carabins vont être tout près, là. Donc, Maxime Gagné qui est là, et l'autre qui est un demi-point, je crois, et Grégoire Champagne, non seulement bravo pour s'être libéré, mais aussi... Quelle concentration, parce que tant que tu as des joueurs de l'autre équipe qui passent devant le ballon, des fois, ça peut te faire perdre ta concentration. Un long touché pour Samuel Grégoire Champagne. En deux jeux aujourd'hui, deux touchés, il a récolté 100 verges. Cameron Takis qui effectue la transformation. Le Rouge et Or qui prend les devants, c'est maintenant 25-21. Et regardez les verges récoltées par Grégoire Champagne. 164, excellente moyenne de 23 verges par attrapé. Donc la protection était bonne. Tout commence avec la protection. Plus tu veux lancer loin, plus ça prend de temps, plus il faut que ta ligne te donne le temps. Et Champagne qui se faufile entre les deux joueurs de Carabins. Et encore une fois, là, Champagne, on l'utilise à toutes les sauces, un peu comme Berriot. Cette fois-ci, il était demi-inséré, côté court. Souvent, on le voit de receveur espacé côté court. On l'a vu, receveur espacé côté large. Donc, on essaie toujours... Tu sais, à un moment donné, le demi-défensif, il lève les yeux puis il voit le 87. Hey, un instant, il n'est pas supposé d'être là. Il dit, oh, allez, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que les attaques essaient toujours de faire avec des formations variées. On change de groupe de personnel. On envoie des receveurs à différentes positions. Et des fois, c'est le même jeu. C'est le même jeu, mais les gars sont à une position différente. Ça crée un petit peu d'hésitation du côté de la défense. Oui. Alors, c'est seulement la deuxième fois dans ce match que le Rouge et Or allait devant. Le Rouge et Or qui avait pris les devants au premier quart grâce à un placement de Cameron Takis qui est là pour effectuer le poté de reprise. Ballon saisi à la ligne de 10 par Carl Farah-Lajoie. Il y a eu un bloc très solide là-dessus. Et le plaqué également sur le retour qui est très intense. On arrête tout le monde à la ligne de 30. Je ne sais pas si on a la reprise de Samuel Fournier, numéro 34. Ça, on appelle ça un wedge buster. Là, je n'ai pas d'expression française pour ça, mais regardez le 34. Il est tout seul, il rentre dans le mur. Lui, là, il vient de briser l'intégrité du mur de protection. Et c'est ses autres coéquipiers qui en profitent. Donc là, quand tu dis qu'un gars qui sacrifie, qui vient déranger tout le monde, et qui, c'est ses coéquipiers qui en ont profité. Et là, la foule est survoltée. Les gens qui applaudissent très fort. Ce sera un premier essai pour les Carabins à la ligne de 30.
Encore une fois, Marc-Olivier Brouillette qui est au poste de cale. La remise au demi-offensif. Et on bataille ferme après avoir gagné quelques verges chez les Carabins. On retrouve José. Oui, je suis accompagné de Benoît Groulx. Alors, Benoît, super belle passe à Samuel, une longue passe. Merci, merci. Dans safety, on venait de lancer une coupe de passe devant lui. Fait que là, il a jumpé ce coup-là, puis ça a libéré champagne par-dessus. C'est stress jusqu'à la fin de ce match-là. Vous aviez vraiment besoin de cette chose? Ah, c'est certain, ça nous donne les devants, mais la game n'est pas finie. Il reste encore 5 minutes. Il faut contrôler ce ballon-là, puis finir la game comme il faut. Laisse finir, merci, bonne fin. Merci. Deuxième essai, Montréal. Brouillette, la passe vers Nicky Demers, qui est au 40. Et sort au 41. C'est un gain de 6 verges et on avait besoin de, si je me fie au tableau indicateur, là, de peut-être 5 verges. Et je reviens sur le commentaire de Benoît Groulx. Il a expliqué en ses mots, quand on dit qu'au football, tu veux conditionner l'adversaire. Tu le conditionnes. Tu le stimules d'une certaine façon. Combien de passes Bisaillon a capté devant Maxime Gagné aujourd'hui? Plusieurs. Et c'est ça qu'il disait, Gagné est allé pour le tracé court. On a lancé par-dessus lui à Samuel Grégoire Champagne. Brouillette, la remise à Dominique Chamberlain-Pinto. Non, ça passe pas! Et les joueurs du Rouge et Or qui étaient très nombreux pour freiner la course du jeune porteur de ballon des Carabins. C'est ce que j'adore du football, le côté stratégique, le fameux jeu d'échecs. À un moment donné, un joueur est tanné, là, ça fait plusieurs fois qu'il se fait compléter des passes devant lui. Il dit là, ça va faire, là. Je vais tricher un petit peu, je vais m'avancer. La prochaine fois, je vais l'intercepter, je vais faire le plaquer. Et boum! C'est un long jeu qui se fait derrière lui. Après un gain de trois verges de Chamberlain-Pinto, c'est un deuxième et sept. On est au 45, toujours en territoire des Carabins. Brouillette. Longue passe, décochée du côté large et c'est capté! Long premier jeu pour les Carabins. La passe qui a été saisie par Tony Testa, une autre recrue chez les Carabins. Une autre bonne recrue des Carabins, un ancien des Cougars de Saint-Léonard qui a fait la pluie et le beau temps dans les circuits juniors canadiens. Voilà, force de bras de Marco Brouillette et bel ajustement. Ça bataillait fort entre lui et Vincent Gagné. Et là, j'attire ton attention, Pierre. Quart arrière, recrue, porteur de ballon, recrue avec Dominique Chamberlain-Pinto et Tony Testa, recevant recrue. Alors, on fait bien maintenant chez les Carabins. Chamberlain-Pinto, il y a eu une remise dans le champ arrière et Chamberlain-Pinto se range jusqu'à la ligne de 17. C'est un gain de 7 verges. Ah, les Carabins qui choisissent le bon moment pour connaître leur meilleure séquence à l'attaque en deuxième demi. Oh oui. Donc, on prend du rythme, on court, on passe. Et pour votre information, Tony Testa, sur l'avant-dernier jeu, a réussi un premier jeu de 41 verges. Deuxième et trois. Le ballon qui a été placé à la ligne de 17. Dominique Chamberlain-Pinto, de même que le centre arrière, Jonathan Lapointe, sont là, derrière Marc-Olivier Brouillette. Il profite d'une protection, mais la passe est trop longue pour Nicky Demers. Alors avec trois minutes, un peu moins de trois minutes à faire au quatrième quart, on fait une courte pause. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS. Le jeu par excellence du match vous est présenté par Sport Excellence. La rencontre a été ponctuée de plusieurs jeux d'impact, plusieurs jeux importants, mais celui que nous avons retenu, c'est celui-ci. Passe de Benoît Groulx vers Samuel Grégoire Champagne, qui se défait de deux couvreurs et qui franchit 80 verges pour inscrire son deuxième touché du match. Touché qui donne les devants au Rouge et Or par le pointage de 25 à 21. Et voyons voir si les Carabins vont tenter d'attirer le Rouge et Or en situation de hors-jeu. Il y a moins de 5 verges. Il n'a pas bronché. Tentative de placement qui était plutôt une feinte. Et Maxime Gagné qui complète une passe à Jonathan Lapointe. Et Lapointe qui est arrêtée à la ligne de 15. Et on n'a pas gagné les verges nécessaires. Donc, c'est un revirement sur un troisième essai. Est-ce que c'était Lapointe ou Vibert? C'était Jean-François Vibert, oui. Il y avait un 3.
C'était 93 ou 33. Mais il y avait un 9 avant. Oui. Alors, on revoit. Alors, on ne voit pas exactement si la remise était mauvaise, si on a mal tenu le ballon. C'est comme si Jean-Luc Lamarche avait passé dans le beurre, oui. Excuse-moi l'expression, mais... J'ai l'impression que c'était volontaire. Ah oui, on l'a suturé. On l'a enlevé, mais la pression était très forte. Et c'est le premier 10 de Rougéor. Et c'est ça, c'est bel et bien Jean-François Vibert qui était le receveur. Alors, perte de possession du ballon. Benoît Groulx et les joueurs du Rouge et Or de retour avec 2 minutes 40 secondes à faire au quatrième quart. Voici le résumé du match qui vous est présenté par General Motors du Canada. Quel match pour Benoît Groulx. Merci à Samuel Grégoire Champagne. Dégâts de 338 verges par la passe. Beaucoup de pénalités, 24 au total pour 131 verges, notamment du côté des Carabins. Et bien sûr, Samuel Grégoire Champagne. Quelle rencontre avec 7 réceptions pour des gains de 164 verges et 2 touchés. La semaine prochaine, le Rougéor est à McGill pendant que Montréal reçoit les Snickers de Concordia. Il y aura les 18-15 contre Sherbrooke. Alors, premier essai et 10 pour Laval. Je rappelle le ballon qui est placé à la ligne de 15. Où la passe saisie par Nicolas Bisaillon et Bisaillon qui se penche pour éviter un premier plaqué se rend jusqu'à la ligne de 23, mais vous avez vu le mouchoir sans doute volé. Alors, pénalité. Ça sent la rudesse contre les Carabins. Pénalité après le jeu contre les Carabins. Voilà. Alors, évidemment, 15 verges, ça fait mal, mais aussi... Trois nouveaux jeux pour le Rouge et Or. Reste 2 minutes 34. Spring, Montréal. On voit Marc Santerre, là. Il le sait maintenant. Son unité défensive doit reprendre, redonner le ballon à son attaque. Il faut qu'il reste des secondes aussi pour que l'attaque des Carabins puisse revenir dans le match, donc. Premier 10 au 38. Qui accepte la remise, donne aussitôt le ballon à Pierre-Luc Yao, mais Yao ne va nulle part. Pourquoi? Parce qu'il a été entouré rapidement. Il a été saisi aux chevilles par quelques joueurs et il y avait notamment Jean-François Vibert qui était là. Non, et présentement, Yao, si tu cours avec les deux mains sur le ballon, là. Oui, tu peux va chercher des verges, tu es capable, mais il faut protéger le ballon. C'est pas le temps d'avoir un échappé. Regardez le Yao. Dès qu'il y a du trafic, hop, il y a un réflexe, les mains vont revenir sur le ballon. Donc, il n'est pas question de perdre ce ballon-là. Tandarek a été demandé par Marc Santerre chez les Carabins de Montréal avec moins de 2 minutes 30 à faire à ce quatrième quart. Seulement 4 points séparent les deux formations. Alors, Pierre, j'aimerais qu'on revienne sur ton plan de match qui est présenté par Desjardins, d'abord chez les Carabins. Côté des Carabins, on avait dit de varier les points d'attaque. Ça prenait des courses, ça prenait des passes, des courtes passes, des longues passes, des courses à gauche, des courses à droite. Je pense qu'on l'a fait en général. En tout cas, moins prévisible. On a passé plus que par les années passées. Il fallait contenir l'attaque au sol du Rougeor. On l'a fait. Bon, peut-être 50 verges au sol pour le Rougeor. Par contre, Benoît Groulx a pris le dessus avec plus de 300 verges, mais... L'attaque ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Donc, oui, on a enlevé l'attaque au sol. Du côté de Laval, la ligne doit relever le défi. Des fois, c'était difficile. Des fois, c'était parfait. Je donne un match nul et limiter les gains au premier essai. On l'a fait en deuxième demi, mais en première demi, souvent, les Carabins, c'était 7-8 verges au premier essai et ça faisait des situations de deuxième essai plus faciles à gérer pour l'attaque des Carabins. Ballon qui est maintenant au 38. La passe était flottante. Imprécise, c'est Michel-Pierre Pontbriand, le receveur, qui a tout tenté là-dessus. Mais Benoît Groulx n'a pas été en mesure de compléter le jeu. Et la défense des Carabins qui se lève, qui fait le travail, qui redonne le ballon à son attaque. Regardez les Rougeors, ils sont prêts, veulent botter immédiatement. Oui. Mathieu Parent, 10e dégagement aujourd'hui, son plus long 50 verges. Ballon qui est envoyé en direction de Nicky Demers au 35, mais le ballon qui sort en touche, alors aucun retour pour le joueur des Carabins. Bon, chose certaine, tout le monde a contribué, mais j'en viens avec Mathieu Parent, les gros jeux sur la défense et tous les bottés de dégagement, il les a bien placés en général. Il a fait du bon boulot parce que il y a même des professionnels qui ont de la misère à placer leurs bottés les longs des lignes de côté. C'est très difficile. Ça semble anodin, là, mais c'est super difficile. Donc, Parent fait de l'excellent travail aujourd'hui, en plus de son rôle en défense.
Premier et 10, Montréal, à la ligne de 40. Marc-Olivier Brouillette toujours au poste de quart en remplacement de Jonathan Gerbois. La remise dans le champ arrière à Dominique Pinto-Chamberlain. Et Chamberlain se rend jusqu'à la ligne de 43-44. Peut-être un gain de 4 verges. Chamberlain Pinto, un autre étudiant modèle. Accepté en médecine, mais sur le campus de Trois-Rivières. Il dit, ben, il n'y a pas de football là-bas, comment je vais faire jouer au football? Il dit, non, je veux rester à Montréal, mais il est allé en pharmacie. Il faut être solide dans les deux oreilles là, pour avoir, être capable d'être accepté dans toutes ces facultés-là. Chamberlain Pinto, le joueur par excellence dans le circuit collégial 3A l'an dernier. Deuxième et 7, Brouillette. La passe captée par Michael Chucha jusqu'au 51-52. Alors, c'est un premier essai pour Montréal. C'est un gain de 9 verges. Ouais, Marco Brouillette qui démontre de belles aptitudes. Hey, on a vu, il a pris le temps de s'installer. Si tu veux faire une passe précise, le monde, vous seriez surpris là, que tout part des pieds. Pour avoir une belle passe, tu as les pieds qui soient bien placés. Il faut que tu sois de la bonne technique. Tout part de ton jeu de pied. Et il a pris le temps, n'a pas précipité son geste, s'est installé et là, il a décoché sa passe. Premier 10 au 52, Brouillette, la passe vers Pellerin. Vers plutôt Gilbert Grenier, mais la passe était trop haute, alors Grenier n'a pas été en mesure de saisir le ballon. Donc, deuxième essai 10, évidemment, les Carabins sont en situation de trois essais. Alors, Yves Berriot est sur les lignes de côté, donc on... Deuxième et 10. Séquence très importante. La défense du Rouge et Or a bien fait en deuxième demi. Que fera-t-elle? Brouillette roule à sa droite. Un joueur est à sa poursuite. Le ballon est flottant. Et ça a été presque intercepté par Olivier Turcotte, les tourneaux. On retrouve José Turmel. Alors, vous avez remarqué Jonathan Jaudoin et Yves Berriot qui demeurent sur les lignes de côté. Ils sont blessés, ne reviendront pas d'ici la fin du match, mais pas blessés sérieusement pour ce qui est des autres matchs. Merci, José. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Marc Santerre parce que là, on parle de deux joueurs tellement importants pour l'attaque. Par contre, j'en vois un qui est en béquille, le numéro 19, la recrue, Hamid Mahmoudi. Ça semble plus sérieux de son côté. Alors, troisième essai 10. Les Carabins n'ont pas le choix. On doit absolument récolter un premier jeu, c'est évident. Alors, Brouillette cherche, décide de porter le ballon. Il est frappé. Encore une fois, regardez, le numéro 44 était là, Mathieu Parent. Rudy! Rudy Jean aussi, oui. Tout le monde du 3 défensif. Écoute, le gros jeu, plutôt au quatrième quart. Mais en général, le front défensif du Rouge et Or s'est levé là, au troisième quart. On a contrôlé la ligne d'engagement. Et ça, il n'y a pas meilleure façon que de protéger une jeune tertiaire quand ton front met de la pression, ton front limite les gains au sol. Donc, ça donne des situations et un long gain à franchir. Donc, une situation qui est plus claire dans la tête des entraîneurs, qui est plus claire dans la tête des joueurs. Surtout quand tu as des jeunes joueurs, tu veux que ça soit le plus clair possible. Premier 10, Laval. Sans surprise, on donne le ballon à Pierre-Luc Yao. Les Carabins qui demandent leur deuxième temps d'arrêt, leur dernier temps d'arrêt. Alors, il reste environ 90 secondes à écouler au quatrième quart. Alors, t'as des meilleurs yeux que moi, David, parce qu'avec le soleil présentement, là, je sais pas si c'est une minute 30 ou... 34. 34. Une 34. Pas si mal. Oui. Alors, Pierre-Luc Yao qui a gagné 3 verges sur le dernier jeu. Nicolas Bisaillon est de retour dans la mêlée. Et c'est Marc-André Arcouat qui quitte le terrain et s'amène sur les lignes de côté. Benoît Groux qui est en discussion avec Justin Etier. Il va retourner à son poste afin de poursuivre cette séquence bien importante pour l'attaque. On doit écouler tout le temps, on doit gagner tout terrain. Benoît Groux qui a récolté beaucoup de verges aujourd'hui et je vous souligne que l'an dernier, il s'était classé au premier rang pour le pourcentage de passes complétées, 68 %.
Et regardez ses statistiques, 238 verges pour Laval en deuxième demi seulement. Bel avantage. Roux, la passe, saisie par Dwayne John qui se jette au sol à la ligne de 35. Oui. Et c'est un premier essai, Laval. Rappelons que les Carabins n'ont plus de temps d'arrêt. Non. Donc avec 1 minute 25, lorsque le ballon sera positionné, l'arbitre voilà, lève le bras et va siffler pour mettre le chronomètre en marche. Et le Rouge et Or pourra utiliser toutes les secondes avant de mettre le ballon au jeu. Alors voilà le chronomètre qui est en marche, les secondes qui s'écoulent. 5 secondes encore avant de remettre le ballon en jeu. Roux, la remise dans le champ arrière. On gagne quelques verges encore. C'est Pierre-Luc Yao qui a effectué la course. Et pour même être un petit peu plus patient, Benoît Gros. A mis le ballon en jeu, il restait 5 secondes au chronomètre des 20 secondes. Ouais. On aurait pu aller chercher un petit 3 secondes, grignoter un petit 3 secondes de plus. Là. Hey! Un peu plus d'une minute à faire au quatrième quart. Il y a confusion. Oui. Donc, on voit l'arbitre qui indique au chronomètreur. On reparle chronomètre des 20 secondes. Par contre, il faudra aussi ajouter des secondes. Ajouter des secondes au tableau principal. Donc, chose certaine, je pense que les entraîneurs... L'entraîneur qui va gagner, l'équipe Gouarnier sera évidemment plus contente, plus heureuse. Mais aujourd'hui, lorsque tu parlais aux entraîneurs avant le match, ils avaient tous hâte de jouer. Ils avaient toujours hâte de voir où ils se situent. Où sont nos faiblesses? Où sont nos forces? Ça fait 3 semaines qu'on pratique, là. Let's go, on veut jouer. On a hâte. On est anxieux. Donc, après le match d'aujourd'hui, la saison débute. Et on va voir où tout le monde se situe. On va pouvoir... à partir d'aujourd'hui, le but, c'est de s'améliorer à chaque semaine. Pour arriver en fin de saison à notre maximum, à notre meilleur, à avoir la meilleure exécution. Et la Coupe Vanier ne s'est jamais gagnée au mois de septembre, David. Donc, deuxième et 7 au 32. Yao dans le champ arrière. La passe de Groux. Et Samuel Grégoire Champagne qui a été frappé solidement par Patrick Patty. Passe qui n'a pas été saisie. Voilà, passe incomplète, donc il va arrêter le chronomètre. Et Patrick Patty, je regardais aller un peu plus. Il s'interposait devant le ballon, donc on voit la passe qui... Alors, c'est passe incomplète. Patty qui arrive. Mm. Je pense que le synchronisme était bon. C'est arrivé en même temps. Le troisième jeu. Non? Parce que je m'attendais à ce qu'il vienne pour lancer mon appui pour Je ne cherche pas, mais demande à Benoît Gou, pourquoi tu as lancé là? Qu'est-ce que tu veux? C'est juste ça d'en avoir. Pourquoi la prise de décision? Excellent beauté effectuée par Mathieu Parent. Parent qui était à la ligne de 40, alors il devait y aller presque en douceur pour ne pas envoyer le ballon trop profondément. Et finalement, on obtient un très bon résultat. Maxime Gagné qui était là sur le retour, mais ce fut un petit retour. Alors, cette passe incomplète a coûté 20 secondes. Là. Il reste 38,6 secondes. On aurait pu redonner le ballon à l'adversaire avec moins de 20 secondes. Et le prochain rendez-vous, samedi prochain, le 16 septembre, sur les ondes de 94. Le ballon qui a été placé à la ligne de 9 en territoire des Carabins. Premier essai pour Marc-Olivier Brouillette et l'attaque des Carabins. La foule qui se fait entendre dans le compliqué travail des Carabins. Brouillette cherche un receveur en plein centre. La passe qui est captée par Michael Choucha. Et c'est un premier essai Montréal. Alors le Rougeur n'a pas le choix, doit garder tous les receveurs devant eux. Si jamais la passe est captée, tu peux arriver au plaqué. Mais aucun receveur ne doit s'amener derrière le demi-défensif qui est le plus loin. Le ballon qui est maintenant au 33. Brouillette cherche un receveur. La passe qui est captée. Et le receveur qui sort en touche, c'est Tony Testa, la recrue.
Alors, autre premier essai pour Montréal. Alors, le Rougeur qui effectue des changements. Kelly Hillier quitte le terrain. On amène un demi-défensif supplémentaire. En fond, le sixième demi-défensif qui est Maxime Bérubé, numéro 14. Évidemment, on s'attend plus. On veut être en mesure de mieux contrer le jeu aérien. Si jamais c'est une course, bien, on se ralliera au point de contact. Alors, j'ai donné le premier jeu au Carabins, mais Chanard qui se sont amenés sur le terrain. Alors, on a quelques secondes, le temps de vous rappeler nos prochains rendez-vous, notre prochain rendez-vous. Voilà, les Gators de Bishops qui affronteront le Vert et Or à Sherbrooke. Un beau duel de l'esprit à prévoir, samedi le 16 septembre à compter de 19h. Alors, deuxième essai. Et si tu veux pas gaspiller de seconde, deuxième essai, là, fais pas, faut que tu essaies d'aller chercher du terrain. Faut que tu essaies de gagner du terrain ici, là. Parce qu'au pire aller, tu as faufilé du corps, fais là sur le troisième essai, si tu es vraiment mal pris. Le deuxième essai, là, va chercher du terrain parce que tu vas manquer de temps, 21,9 secondes. On est à 63 verges de la zone début. Alors, effectivement, on doit gagner beaucoup de verges et il reste peu de temps. Deuxième essai, Brouillette qui porte le ballon et se rend jusqu'à la ligne de 45. Dans trois verges et c'est un autre premier jeu Montréal. Donc on prend pas de chance chez les Carabins. On va avec... on dit peut-être si on n'a pas le deuxième essai, si ça marche pas, on va avoir le troisième. Mais... l'attaque doit se placer rapidement dès que l'arbitre siffle. Il faut remettre le ballon en jeu. Voilà, Brouillette. C'est bien fait. Brouillette, attention, la pression est forte et le ballon est flottant. Et là, Brouillette a été frappé très solidement par Marc-Antoine Baudouin-Cloutier. Et je vois qu'il y a un mouchoir dans le champ arrière. 10,8 secondes. Et le numéro 97. Monsieur le passeur, Marc-Antoine Baudouin-Cloutier qui s'amène rapidement et frappe solidement. On va voir, là. Ça a l'air, c'est une pénalité. C'est vraiment à la limite. Mais ouais, comme je le dis... la façon dont l'arbitre a appelé ces pénalités-là, il est encore très constant. Constant. Ouais. Mais c'est vraiment la limite. Tu sais, le gars de court 15 verges, là, c'est de justesse. C'est de freiner, toutes les rudesses sur l'écart aujourd'hui ont été de justesse. Mais l'arbitre est constant dans son appellation, dans son application du règlement. Premier et 10 et 50. Entre victoire du Rougeur. Brouillette qui roule à sa gauche. La passe contre le capitaine Choucha. Choucha qui s'amène et qui est freiné avant de sortir en touche. Mais c'est un premier essai Montréal. Donc, dernier jeu du match qui s'amène, qui s'en vient. 3,1 secondes. Choucha qui n'a pas quitté le terrain. Donc, dès que le ballon sera placé, l'arbitre va faire partir le chronomètre. Donc, de toute évidence, dernier jeu du match à moins d'une pénalité. Le ballon... pénalité défensive. Évidemment. Voilà. Le ballon est au 34. Brouillette regarde vers ses receveurs. La très longue passe dans la zone des buts. Et c'est intercepté par Vincent Gagné. Il n'y a plus de temps au tableau indicateur. C'est une victoire du Rouge et Or de l'Université Laval. 25 à 21. Alors, quel match chaudement disputé. Bravo aux deux équipes. Et Marco Brouillette, tous les Carabins devront se tenir la tête haute parce qu'ils ont donné toute une performance. Et je reviens avec autant les Carabins ont bien fait dans un terrain, sur un terrain hostile, mais je reviens avec la force de caractère du Rouge et Or parce qu'après le botté bloqué, le toucher de Martin Gagné, de Nicolas Soucy-Morin, l'échappée de Ben Drou, ça allait vraiment pas bien et le Rouge et Or s'est relevé et est revenu en force. Marc Santerre devra attendre avant de mériter sa première victoire dans les rangs universitaires. Marque finale 25-21 à Laval. Vous regardez le football universitaire Budweiser à RDS.